Et on est donc reparti sur FF7 Remake. Ce jeu où finalement je vais pas tant râler que ça. Ça va. Coucou Volda, ça va? Hop, ouf, j'ai le OK. Je ne sais plus. Je crois qu'elle nous avait demandé, Jacqueline, qu'on aille faire des quêtes secondaires. Mais lui, il me trigger à chaque fois qu'on passe à côté. Hein. Je comprends pas ce qu'il veut. Alors, bonjour. Bonjour, ma petite Tifa. Est-ce que t'as des problèmes? Tu fais le ménage sur WoW Classic. Putain, je me suis connecté. Laisse tomber. Mes addons, ils veulent plus. Ah, enchanté de te connaître, Cloud. Je compte sur toi pour nous aider à protéger les habitants du bidonville. Si la récompense est à la hauteur, je suis prêt à accepter la tâche dangereuse. Tu m'as l'air d'avoir confiance en toi, dis donc. Dans ce cas, j'ai quelque chose qui pourrait bien te convenir. Les personnes qui nous ont demandé de l'aide t'expliqueront tout. Si tu fais du bon travail, j'aurai sûrement d'autres offres à te proposer. Merci. Alors, du travail, encore du travail. Claude vient de se voir offrir plusieurs tâches sous forme de quêtes. Vous pouvez en consulter la liste en appuyant sur le truc au milieu de la manette, puis en accédant aux quêtes avec R2. Notez que vous pouvez effectuer plusieurs quêtes en même temps, mener à bien ces tâches. Mais on est sur de la quête secondaire là, ou on est toujours sur la trame principale? Collaborateur potentiel en vue. Ah. Des données analysables en cours. C'est le mec chelou. Grande dimension, fonction cardiaque et respiratoire excellente. Musculature et ossature parfaitement équilibrées. T'as craqué sur le pass. Le pass, quel pass? Je fais un stage. Salut Chadley. Scientifique de la compagnie Shinra. Aidez-moi à effectuer mes recherches, s'il vous plaît. Veuillez accepter ceci comme un compte. Je vous prie de vous équiper de cette matéria d'analyse. Ok. Et de recueillir les données nécessaires à ma... Ah, il donne quoi le pass? Avec ça, je serai capable de développer de nouvelles matéria. Ça, c'est cool. J'ai envie de travailler pour la Shinra. Pour vous dire la vérité, j'essaie d'agir contre la Shinra comme je le peux. Vous, je suis sûr que vous le comprendrez. Ces nouvelles matérias, elles pourront servir à lutter contre cette compagnie. Alors, okay. J'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me découper en deux. Ah, ok, d'accord. Tu veux que je te prenne au mot? Pour le moment, je crois que l'on peut dire que notre accord reste valable. N'oubliez pas de revenir me voir lorsque vous aurez terminé les rapports de combat, s'il vous plaît. Ok, alors remplissez des objectifs de Shadley vous a confié, transmettez-lui les données à cette occasion. Vous permettre de développer de nouvelles matérias. Ça peut être cool par contre. Les objectifs peuvent être consultés de rapports de combat dans le menu. Faites votre rapport pendant les périodes d'une quête vous permettra d'obtenir des récompenses supplémentaires. Ok. Surtout n'oubliez pas d'équiper votre arme de la matéria analyse. Cela vous permet de collecter les données de vos adversaires. Mmh. Enfin, pendant deux secondes, j'allais dire mes 25 PO, mais quoi, c'est rien. Mais non, j'avais oublié qu'on parlait de BC. Alors, du coup, équipement, insérer des matérias, on va virer celle-là. Analyse. Hop, très bien. On avait déjà EP les armes la dernière fois. Donc on est bon. Allure, comment ça marche, choix? Si tu te débrouilles bien, j'aurai certainement d'autres offres à te proposer. Oui, bah oui. Alors. J'avoue, je verrai, je me laisserai peut-être tenter. Alors, est-ce qu'il faut aller sur tous les points d'exclamation verts? Je cherche Marlène. Elle est au bar. Ah bon? Dommage. J'aurais bien voulu qu'elle m'aide à chercher mes amis. Eh bien, le gentil mercenaire qui est là va les chercher pour toi. C'est vrai? Alors, pour t'aider à les trouver, ils sont minces, agiles et super beaux. Ok. Ils aiment aller là où il y a à manger et là où il y a des gens qui leur donnent des friandises. Et puis les petits coins. Ce sont des chats. Ah! Oui! On va chercher des chats! Chats perdus. Oui! Si tu les appelles, ils viendront, tu sais. Oui! Ils vont avoir de la compagnie. Tu vas me les ramener, hein? Oh bah alors là, oui, on va te les ramener. Des chats qui puent.
petit... petit chat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? On peut lui parler? Qu'est-ce que tu veux? Mais il veut rien. Me fais pas haut comme ça, ça va pas ou quoi? Tu te souviens de la fille qui habitait à deux maisons de la mienne? Parmi la milice, il y a un gars qui... J'ai bien l'impression qu'il y a encore plus de chats qu'avant. C'est un petit chat. Trop mignon. Oh mais il y en a plein. Waouh. 50 nuances de Matou. Oh, il est trop mignon, lui. Regardez avec ses quatre fers en l'air. Oh. Bon, on reste là. On est bien là, non? Casse-toi, Boubzilla. Oh, il y en a partout. C'est terrible. Alors... Il n'y a pas de traceur de quête du coup. Ça, c'est quand même assez étonnant. Ouais, non, mais c'est ça, on est d'accord. Aux elfes de la planète en fait. Go, go traquer des chats. Là, il y a un chat blanc. Il en fait partie, le chat blanc? C'était pas un miaulement de chat. Il y a des ronrons, bruit de fond? Ah, peut-être quand on était avec tous les chats, ouais. Ils étaient contents, du coup ils ronronnaient au soleil. Ils étaient bien. Je veux être un chat dans une autre vie, hein. Allez, vas-y! Pousse, Marcel! Là, c'est la bouffe. Ils sont où, les gros chats? S'il y a de la bouffe, il y a des gros chats. Le dénouement de la comédie musicale est un peu différent. Ce serait pas cet homme qui vient de Wall Market. Nous vendons. Ah, il y a une quête ici. Vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence. Notre gars. Oh, voilà ma jolie diva. Et toi, là? Il paraît que tu travailles comme mercenaire, c'est ça? Ouais. Dans ce cas, j'aimerais que tu nous débarrasses de rats géants. Sale bestiole, elles ont ramené des rats garous et dévorent absolument tout sur leur passage. Ma réserve en a aussi fait des frais. Et j'ai perdu en crédibilité. Dis donc, ça te fait rire, mon histoire? Je t'ai bien vu faire une grimace, tu sais. Bref, si tu m'en débarrasses, je t'en tiendrai par rigueur. Ces rats géants se cacheraient près des terres. Le fan de Tifa. Les ragarous quand ils couillent. À croire que tous ces fichus rongeurs ont un esprit de solidarité. Ok. Des rats géants. Oh, bah, mais attends, mais à chaque fois, il va falloir que je trouve où c'est. C'est terrible, ça. Je vous annonce direct, hein. On va passer 10 000 ans à tourner parce que je vais pas trouver. Ah, encore une quête. Bonjour. C'est cette fripouille de chat voleur. Encore un chat. Avant de s'enfuir et de se faufiler là. Oh, chalot. Dites-moi, vous ne voudriez pas l'attraper pour moi? Oh, tout plein des chats. On l'a déjà vu lui tout à l'heure. Oh, il m'a feulé. Mais non, mais je suis gentille. Moi, moi, le chat, moi. C'est lui, le voleur? Non. Poussez-vous, je veux pas vous écraser. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Il se met sur ses petites patounes. Sérieux, je peux pas avoir une mascotte chat? Non, moi j'aime pas les chats, non. C'est pas du tout mon truc. Ils sont en train de se faire dorer la pilule.
trop mignon. Meilleur animal, hein, vraiment. Je suis fan de ces petits trucs-là. Ok. Bon, visiblement, c'est vraiment le chat blanc qu'il faut qu'on traque. Hein. D'ailleurs, elle avait renommé la chaîne en Kaori Dog à prévoir. Oh putain, quel enfer. Je peux pas faire ça. Mais attends, mais ça va être des nouvelles quêtes à chaque fois. Ça, c'est la Jacqueline. Je comprends pas trop parce que un coup ça t'amène vers le petit chat et un coup ça t'amène vers les mecs qui ont donné les quêtes. 1er avril ça passe, oui, j'avoue. Je pourrais faire un effort. Il y avait pas un truc genre map monde? Ouais, c'est ça. Oula! Au secours, qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. C'est trop grand là. Merci. On va aller là. On va aller là-dedans. On va aller se battre un peu parce que... Attends, par où faut passer par contre? Par là-bas. Bah après le truc c'est que pour le 1er avril il me semble que tu peux pas changer l'hypsodal comme tu veux. Si je le change pour le 1er avril, techniquement, il faudra que je le garde le 2, le 3, le 4, le 5, le 12, le 50, et puis 2-3 mois après. Du coup, c'est un peu long pour un 1er avril, tu vois. Oh, des gros rats, c'est ça les trucs dégueulasses. Je m'en occupe vite fait. Comment on se bat déjà? Ah oui, c'est vrai. Carré, carré, carré. Géant n'a pas l'air de se presser. Tu as raison. On attend. Ah, je sais. Une annonce. Genre, j'ai revendu chat qui pue, j'en ai marre des chats. Maintenant, je suis team chien, team hamster, team cochon d'Inde. Hein? Et pourquoi ça me met encore un truc ici? Pourquoi ils restent là? Je les ai tués, les pabots. Hmm. Dis donc, cette tâche, ça serait pas du sang. Bonjour. Tiens donc, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? En tout cas, vous n'êtes pas ici pour m'acheter quelque chose. Dis-moi, tu serais pas... Oh là là, mais c'est une star, on parle que de lui en ville. Je crois bien que tu pourrais t'en charger. J'aimerais que tu ailles abattre les lézards volants de l'usine abandonnée. Allez. Là-bas, c'est notre territoire à nous. Parmi mes clients, il y en a qui sont prêts à braver le danger pour obtenir des pièces usées. Ce qui m'inquiète. Je vais m'en occuper. Merci infiniment. Pour en savoir plus... Je te conseille de t'adresser à Narjin, qui monte la garde près de la vieille fabrique. C'est un membre de la milice. Donc, tu veux bien t'en charger tout de suite? Ok. Ouais, non. C'est quoi cette musique? Ah si! Oh, putain, là, le remix de la chanson des Chocobos! What the fuck?
C'est terrible. C'est terrible. Alors on va aller au point d'exclamation qu'il y a là-bas. Je comprends pas trop hein, le délire des quêtes secondaires. Oh, c'est encore elle. Oh putain, c'est encore toi. Elle va feuler encore. Oh non. Mais... Bon, je laisse tomber. Mais non. Oh, je me suis TP. Oh, je me suis TP, ma vie est nulle. Vous n'avez pas réussi à capturer les chats, mais vous avez constaté que tous les trois étaient sains et saufs. Ah, j'ai fail ma quête? Quoi? Ils se sont enfuis? Oui, il y en a même un qui m'a feulé. Ils vont pas revenir? Ah, elle va chialer. Ah bah si, ils sont là. Vous êtes là? Vous êtes revenus? Ils disent qu'il y a un monsieur avec une épée qui leur a fait peur. Merci. De rien. Ok. Ça s'est bien passé, hein. Tu vas rapidement te faire un nom ici. Mais ouais. C'est quoi, faut monter sa réputation? C'est plutôt satisfaisant. C'est ça l'idée? Ce qui compte, c'est d'accepter tout ce qui vient. Les relations sont plus importantes que l'argent, n'est-ce pas? D'accord. C'est une des règles du bidonville. T'as retenu la leçon. C'est parce que j'ai une bonne prof. Peut-être que je vais me montrer plus sévère maintenant. Ça promet. Dis, je pense que Barrett devrait bientôt avoir terminé sa tournée. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au bar pour voir? Mais attends, on va aller voir Jean-Michel, là. C'était par là. Merde, il était où, le gamin bizarre, là? Là. Adresse-toi aux personnes qui nous ont demandé de l'aide pour en savoir plus. Bah. Surtout n'oubliez pas d'équiper votre arme de la matéria. Bah. Alors... Mais. C'est terrible. Alors attends, du coup là on aurait fini. Voilà, je comprends pas pourquoi ça me le compte pas. Des bisous Alan. Passe une très bonne journée. On va aller là, hein. Et ça, je capte pas. Vous avez éliminé les rats. Promenez-vous dans le quartier en attendant que les rats géants fassent leur... Bah... Mais je les ai tués déjà. Promenez-vous dans le quartier en attendant que les rats géants... Ah, parce que j'ai pas tué les deux. C'est rats géants et rats garous qu'il faut faire. C'est ça? On a le nouveau nombre de créatures éliminées. Attends, c'était pas censé mettre un truc pour y aller? J'aime parler de mes petits problèmes avec Marle. On peut dire que la chine... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je me suis peut-être assez baladée, du coup, ça va peut-être avoir proc. Ah oui, je les vois. Donc ça, c'est les rats géants. Le géant, pardon. Pardon. Oh putain, je sais plus parler. Ok, rats géants. Oh mais ils ont de la vie, les salauds. Je compte sur toi. Allez, je suis prête. Ouh, la grosse épée. Salut Ben. Elle a rien d'autre que dragon ascendant, elle. J'aimerais bien voir sa transe, elle. Mais ils ont tellement de PV, c'est fou! Sort soin sur Tifa.
Compétences. Enchaînement rapide. Tac. Ok, c'était cool ça. Oula, mais reviens. Et de deux. Bah c'est juste que c'est un peu long quoi. Ouais, c'est le reboot du set, Ben. Yes. Exactement. Ah, et ça te propose à chaque fois de retourner à la quête. Ça, c'est cool. Ok, ça, c'est sympa. Ouais, ouais, là, on est dans le bidonville. La dernière fois, on a fait exploser le générateur Mako, là. Vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence. Notre gamme inclut... Alors, vous avez éliminé les Rageants. Et on s'est arrêté... s'arrêter au début du bidonville. Bonne partie de ma clientèle. Ça y est, ils sont mourus, les rongeurs. Donner une idée. Je pourrais raconter aux gens que le mercenaire qui nous a débarrassé... Le système du jeu n'est pas prévu pour jouer avec uniquement spawn carré. Bah, c'est là où ils ont peut-être un peu plus évolué qu'FF15, parce que très clairement, FF15, tu spawns la même touche... Ça te ferait aussi de la publicité. Je te promets de vanter tes mérites auprès de Weimar et de mes clients. En faisant comme ça, tu seras sûr de jamais manquer d'offres de travail. Fais comme tu veux. Parfait, marché conclu. Ça y est, on est devenus potes. Le mercenaire et puis mon magasin. Si on travaille ensemble, les affaires vont aller du tonnerre. Ok. Ah, Materia. Remède, tiens, je l'ai pas. Eh ben, j'en prends une. Très bien. Ok, donc ça c'est fait. Donc on va aller maintenant... On va aller ici. On va aller se battre. Qu'est-ce qui se passe? On va jeter un œil. J'ai rien fait, laissez-moi. Oula. Arrête de résister. Lâchez-moi la grappe, sale chien de la Shinra. La ferme, espèce de fouine. Koui, koui. Pardon? Et koui, koui. Vous allez me lâcher, wesh. Aïe. Johnny s'est fait interpeller par les gardes, mais tu sais bien quel tempérament il a. Ça doit être lié à la destruction du réacteur. Le pauvre Johnny. Il va encore se prendre une bonne raclée. Il se peut qu'il le relâche pas. C'est le cri du corbeau. Il faut que j'aille le libérer. Pourquoi, c'est un des vôtres? Non, mais... Malheureusement, j'ai l'impression qu'il commence à deviner nos activités. Et surtout, il a la langue bien pendue. Il faut absolument okay. Sortir de là. Je m'en occupe. Ah hein? Mais tu... C'est à mon tour de t'aider cette fois. Merci. Très bien. Allons aider Johnny. Il faut courir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec Johnny? Tout, 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 tout. Malgré que ce soit contre nature. J'aime bien Johnny, dis donc. Il est rigolo. D'accord, j'arrive. Je suis un honnête citoyen, moi. Les honnêtes citoyens ne volent pas de poudre à canon. On sait que t'es allé dans l'entrepôt. Ton badge est enregistré dans l'historique. Quoi? Il y a erreur sur la personne. Je me suis jamais approché d'un entrepôt de la Shinra, moi. Ah là là, il va balancer Jessie. Non. Non. Faut surtout pas. Ah bah oui. On y va. Attire l'attention des gardes.
T'inquiète, on fonce dans le tas, on va attirer leur attention. YOLO ! Et coucou Zenoub, comment que ça va ? Les gardes, coucou, je suis là. Laissez-le partir. Hmm ? Et t'es qui, toi ? Un complice ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qui est là ? Alors, vous êtes venu me sauver, c'est ça ? Vous êtes qui, je crois ? Avant tout ! Halte là ! Vous vous croyez tout permis ? Elle l'a dégommé. Aïe, chaos, voilà. Le chaos technique de Johnny. Ah, il s'est soigné. Dis donc, comment ça tu t'es soigné? Ah bah non. Ça va nickel, merci. Une médaille Mog? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah yes, 5 PA, on va peut-être pouvoir mettre un autre truc sur l'arbre de talent de mon arme. On y va à fond. Et je fais une capote. Hein, ça y est, c'est fini. Ce Johnny quoi. Ah hein? Ah bah non, oh. Don't kill Johnny. Me dis pas. Non, attends. Oh, me fais pas de mal. Si tu tiens pas à te faire buter, disparais de la ville. D'accord. Vous avez ma parole. Je vais partir à l'autre bout du monde. Tu veux vraiment qu'on en reste là? Tu sais qu'il y a de gros risques. Oui, je sais. Mais ça suffit. Et cela? Oublions-les. Cloud, tu me fais peur. Ma merde alors. Filons d'ici avant que les gardes se réveillent. Y'a rien à fouiller? Un petit coffre? Un petit... Ça va aller pour Johnny, le pauvre. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Partons d'ici. Ok. Quoi? Tu sais, Cloud, t'as vraiment changé. Comment ça? Par exemple... ton regard. Il était pas comme ça avant. J'ai des yeux de soldat. C'est la Mako. Je vois. Tu veux faire quoi maintenant? On retourne au bar? Ou tu préfères continuer le mercenariat? Non, non, on va aller faire la quête secondaire qui est de l'autre côté. Oh, je voudrais voir ce que c'est, ça. Distributeur de popo? Ok. C'est cool. Et on peut se reposer là-dessus. Très bien. Les bancs Sarigen. C'est stylé. Alors, on était parti à la base pour aller faire la petite quêtounette qui avait à Babaloued-les-Bains, où faut tuer des bestiaux. Y a rien à manger par ici. Bidou, 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 c'est celle là-bas. Je vais prendre le coffre. Ah bah, Johnny, il est pâti, Johnny. Il s'est chié dessus, le pauvre Johnny. Tac, alors si je me trompe pas, ça va être par là. Et tout là-bas, là-bas. On peut peut-être regarder d'ailleurs amélioration d'armes. Merde. Je suis allée sur la Prums, c'est pas ça là que je voulais. Voilà, c'est ça, lame d'acier. Hop là, qu'est-ce qu'on peut upper?
PV max, on a déjà. Ah, le dégât en 4 gardes. On va prendre celui-là. Paf. Plus de def. Why not? Ok, on est à 30%. Ah, faut peut-être que je la joue un peu, Tifa. Du coup, ça pexe pas. Ça pexe pas si tu joues pas le perso. Je pensais que peut-être il y aura un pex passif vu qu'il participe quand même au combat. Normalement, si. Bah, regarde, ça a pas pexé du tout là pour elle. Est-ce que ça considère que c'est. Bah non, normalement non, vu qu'elle est pas à 100% son arme. Tu vois, elle est à 0%. Et sur le plateau, y a des monstres aussi ? Si chilou. Je te crois pas. L'accès à l'usine est strictement. Tu perds ton temps, va-t'en. Et merci beaucoup, Orange Okage 8. Bienvenue à toi. Cet endroit est fermé. Et les arts volants rôdent à l'intérieur. Ah. Mais dis, c'est toi, Tifa ? Les gens qu'on nous envoie pour nous aider, c'est vous deux ? Dans ce cas, vous êtes les bienvenus. Ouais. Je lui ai mis des matérias, ouais, sur son... Attends, je vais re-regarder, mais il me semble que j'ai mis des matérias dessus la dernière fois. Comment vas-tu, Orange Okage ? Alors... équipement et matérias, il me semble... Ah, regarde, tu vois, je peux sélectionner Tifa. Et coucou Ben, ça va et toi? Insérer des matérias. Ouais, non, normalement c'est bon. Hein. Ça va super. Tant mieux. Ça dépend de l'XP quand tu utilises la compétence de l'arme, il me semble. Ouais, mais du coup, ça voudrait dire qu'il faut absolument que tu puisses jouer le perso pour que ça pexe son arme. Genre si je joue Claude pendant tout le jeu, les autres ils vont pas pexouiller. Tu parles de la compétence d'arme, il se... Bah oui, c'est ça la compétence d'arme, le truc qu'il faut que t'apprennes pour pouvoir changer d'arme. Ça là. C'est pas là-dedans. Là tu vois, l'enchaînement rapide. Faut juste utiliser la compétence. Ok. Bon, faut que je pense à switcher de perso. Faut que je pense à les utiliser du coup. Compétence. Enchaînement rapide. Coucou des champs! Comment que ça va? Ils sont où les méchants? Ah oui, d'accord! Mais jamais je le chope. Il saute pas. Tu peux lancer la compétence de l'autre avec le perso. Quoi? Comment ça? Oh putain, d'accord. Ah, je savais pas ça. Ok. Évolution de la matéria chakra. Oh, attends, j'ai une matéria qui a évolué. Ouais, ouais, bah du coup, je savais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Ben, qui va être long? Qu'est-ce qu'il y a? Amélioration de matéria. Tac. Ok, donc chakra est passé niveau 2. Très bien. Et elle, du coup, pose des dégâts plus vite sur le perso actif. Le jeu t'encourage. Ouais, non, mais bien sûr, mais D'accord, donc là, elle est passée à 50%. Ok, bah effectivement. Très bien. Bon, bah, ils ok. Merci pour le tip sous. Je vais essayer de fouiller un peu partout. On a d'autres là.
Ah merdouille. Ils sont tous en haut. Allez, descends si t'es une bête dégueulasse. Yes. C'était trop facile. Ça va être du film. Ah, j'ai pas fait le rapprochement. Et oui, pardon, j'ai pas répondu. Bah, il est pas mal. Enfin, il est moins pire que ce que je croyais. Vraiment, je pensais que j'allais rager et... En fait, non, ça va. J'aime pas le gameplay, mais graphiquement, il est très très beau. Allez, sans pitié. Mais bon, graphiquement, c'est pas... Voilà, c'est... On n'est pas sur du FF15, mais on n'est pas sur quelque chose d'incroyable non plus, quoi. Ah, ça y est, il saute. Il a retrouvé la touche pour sauter. Incroyable. Alors, compétences, piqué, paf. C'est le gameplay Crisis Core. On n'arrête pas de m'en parler dessus, là. Faut vraiment que je le fasse. On s'attaquera au spin-off de la saga aussi. Alors, pas tout de suite, mais on les fera aussi. Je sais pas si je peux monter plusieurs fois la compétence. Alors, on va rechecker vite fait. Ah si, d'accord, tu peux vraiment monter un bon coup. Ok, on a bientôt fini cette arme-là. Parfait. C'est fermé. Ah, on n'a pas de cartounette. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Bah après moi j'étais je suis assez fan du gameplay original. Donc bon. Je fais partie de tous ces vieux cons qui sont en mode c'était mieux avant. Te précipite pas. Alors appuyez sur triangle comme Atifat d'exécuter une puissante attaque. Yes. C'était bien avant, c'est autre chose qui est tout aussi bien. Bah après encore une fois, faut aimer quoi. Moi je suis plus... je suis beaucoup plus tour par tour que gameplay dynamique, c'est pour ça que ça me parle moins, mais je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui préfèrent. Et ce n'est point un problème. Encore une fois, c'est moins pire que ce que je croyais. Je pensais vraiment qu'on allait être sur un gameplay FF15 et j'ai détesté cet opus, donc bon, ça me fait plaisir déjà que ce soit pas le cas. Ah non, mais c'est pas une histoire d'assumer ou quoi, c'est... Il y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça, hein. C'est... Encore une fois, hein, c'est ça ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et tant mieux que ce jeu ait trouvé ce public, ça aurait été triste sinon. Les lézards volants. Faut que je retourne ici, du coup. Celle-là d'où on vient. C'est couillon. Après, le 7, c'est pas mon opus préféré, hein, de base, mais... Est-ce qu'il faut qu'on aille... Ah, attends, peut-être que je peux ouvrir ici, comme là-bas. Hey, coucou, coucou! Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour.
Où qu'il est, Jean-Michel? Chavaille, toi. Mais touche-le, nom de Dieu! Très bien. Huit heures de TP. Ouf, ça s'est bien passé. Bah oui, on vous voit plus en soirée, dis donc, Coco. Sois prête pour le prochain. Lipiti Coco. Ah bah ça y est, on a fini. Yes. Welcome back. Yay. Tu seras bienvenue chez toi. Alors, hop. Alors, il paraît que vous avez éliminé... Bah oui, et puis là avec le boulot, je stream moins. Dizouli. Normalement, à partir du 16, je devrais pouvoir streamer plus, ou en tout cas, quasiment tous les jours, quoi. Je referai peut-être pas des sessions de 6 heures, mais en tout cas, normalement, je devrais stream quasiment tous les jours. Il y a du grabuge, parce que les créatures volantes sont apparues là-bas. Ce genre de travail, c'est parfait pour toi. Ouais. Commence par mieux te connaître, et par maîtriser ton art. Et aussi, fais souvent le point. Tout te semblera alors différent. Sur ce, bon courage, mercenaire. Peut-être que je regarde si je peux acheter une autre... Viens y jeter un œil de temps en temps. Une autre arme. Hé, hey, salut. Les articles que je vends changent en fonction des circonstances du moment. Super potion. Ok. Bah au prix, on va les prendre ces trois popos là. On a tous une vie, hein. Je suppose que tu ne vis pas de tes streams, pas encore. Ah non, non, je vis pas des streams, non. C'est pour ça, il faut bien que je trouve un boulot à côté. Ça se fête le retour des lives. Poui, 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 poui. Merci beaucoup, Coco. Merci pour ton 11e mois. Merci pour ton Prime Gaming. Merci beaucoup. Je vais aller voir si je peux acheter une autre arme, parce que du coup... Je suppose que le but, c'est de changer, enfin d'essayer de changer d'arme à chaque fois qu'on a pris la compétence, un peu comme sur FF Tactique. Est-ce que c'était là? Non. On va les voir. Mais oui, du coup, j'ai retrouvé un boulot, mais ça se passe pas très bien. Donc je vais pas y rester. Enfin, je vais pas y rester. Mon contrat va jusqu'au 16 juin, mais je renouvellerai pas. J'essaie de retrouver un autre truc ailleurs. Je crois que c'était là. Yes. Oh bah bien sûr, il n'y a pas de... Je suis travailleur social, Ben. Je travaille avec le public en précarité. Enfin, les sans domicile fixe. Et là, j'ai trouvé un boulot dans un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Mais le problème, c'est qu'il fait accueil de jour aussi normalement. Sauf que bah là, l'accueil de jour, il n'existe plus, il est en stand-by avec le Covid, et il n'y a quasiment pas d'hébergement, ils ont pas mal d'appartements vides, et il y a un gros problème, les travailleurs sociaux, ils passent leur temps à gueuler contre la direction, la direction fait rien, c'est un peu une structure qui est mise à l'abandon, et je t'avoue que ça me... C'est compliqué, mais bon, encore une fois, c'est pas grave, c'est un contrat à la base qui était renouvelable, juste je leur ai dit que bah, je renouvellerai pas, quoi, c'est tout. Je suis en train de chercher un contrat d'apprentissage l'année prochaine, cool! Je vais faire un nouveau BUT qui va ouvrir l'année pro. Ah, bah ça c'est sympa, moi j'ai fait de l'alternance aussi quand j'étais au Bahut et franchement c'est plutôt cool. Alors ça, on va en prendre deux. Et je peux plus rien prendre, c'est terrible. Attends, je voulais l'équiper à mes deux jambobies. Équipement. Voilà.
Voilà. Ok, elle avait déjà un truc. Non, c'est bon. Ah, elle a pas de... Ah oui, c'est ça que je voulais acheter, le truc avec double matéria. Putain, merde. Je peux peut-être lui revendre pour l'acheter. Ah oui, calme-toi Jean-Michel. Objet. Ah, je peux pas vendre les premiers accessoires. Très bien. Et bah... Camoulox. Donc, le rapport. Va venir faire ça. Bonsoir. Le cacaillé m'a expliqué ce que t'as fait pour lui, tu sais. Point, 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 point. Je dois reconnaître que... Et coucou, Crocro. Merci beaucoup pour ton resub. Merci pour ton 11e mois de soutien. Merci infiniment. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, 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 bien. Particulièrement féroce. Tu vois le genre ? Un gros tutu ? C'est le chien de la Shinra. Ah ! J'aurais été aperçu. C'est pas un gros tutu ? Je peux compter sur toi ? Bien sûr. Je vais m'en occuper. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ce molosse est beaucoup trop dangereux pour nous. Bon courage. Ok, donc gros tutu. Surtout, n'oubliez pas d'équiper votre arme de la matéria. Mais je l'ai fait ! Cela vous permet de collecter les données de vos adversaires. Ah, est-ce qu'il faut que je fasse analyse dessus ? Est-ce que je suis débile et que du coup, vu que j'ai pas fait analyse, ça ne compte pas Ce chien est dangereux. Il faut faire quelque chose. Il y a un chien énorme dans l'avenue des débris. Peut-être, que j'ai fait une connerie. Il est où le gros toutou? C'était par là? Yes. J'arrive! Ah oui, non, c'est juste la zone. D'accord, je suis con. Ich bin un peu con. Ok. Il nous faut le gros toutou. Ça va être un mini-boss, peut-être. Ce serait bien. Ah, il est là. Et coucou, gros l'air le joli. Comment que ça va-t-il bien? Compétence. Ah, analyse, on a dit. Ça va te calmer. Ok. Molosséran, version expérimentale d'un chien de garde obtenu en leur injectant diverses substances visant à augmenter la masse musculaire mais dont les effets secondaires les ont rendus complètement pu. La plupart des molosses ont de ce fait été euthanasiés mais certains se sont échappés. Bah c'est terrible. Et coucou Dark, comment que ça va? Et ouais Stara, comment est-ce ta? Faiblesse. Ils sont faibles à la glace. Ok. Ouais, c'est ça au final. Il faut que je fasse analyse sur les mobs. C'était donc ça. Faible à la glace, on a dit. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Dark? Ça va passer? Ouais, ça va baîner et vous? Bah écoute, je suis au week-end, ça va baîner aussi du coup. Moi, j'espère qu'ils vont vite te donner quelque chose pour te soulager. Tu peux pas rester comme ça. Ah, il a masse PV, hein, Jean-Michel le Molos, là. Okay. La vache a craté. Je peux faire ma pub pour ma recherche d'apprentissage? Oh bah bien sûr. Oh bah, bien sûr, hein. Si quelqu'un peut t'aider, faut pas hésiter. Hein. Je te garantis pas que ce soit le cas, mais il faut pas... Comment ça, il s'en va? Ben non, mais t'en vas pas. Mais reviens. Ah bah, bien sûr, on le prend en chasse. Je n'ai pas fini. Il est parti par où?
gros toutou. Donne-moi de l'XP. Fait caca, il est parti le toutou. J'arrive. Oui, j'arrive. J'ai réussi à coincer le molosse un peu plus loin. Reviens ici, le clébard. Rouin. On va lui casser ses petites pattes. J'ai vu pire que ça. On lui a enlevé tellement peu de vie, c'est fou par contre. Hein. C'est terrible. Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger le mulet de Tifa? Je sais pas si la glace lui fait vraiment plus de dégâts. Attendez, on va check. Mais... ça lui fait pas de dégâts. Fragilité. Allez, choc. Ta 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 ta. Ike. Carré, 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 carré. Ah. Putain. La tendinite du pouce est annoncée, je répète, la tendinite du pouce est annoncée. Piou. J'ai bien transpiré. Elle avait bien transpiré, la Jacqueline. Tu le fais en quel mode? Le plus haut. Enfin, c'est le mode normal, en fait. Il n'y a pas de mode difficile ou quoi. J'ai pas pris le mode facile. Je suis grande maintenant, hein. L'épée fait 18 mètres. Du coup, Claude fait 18,50 m. Incroyable. Je cherche une offre d'apprentissage dans le secteur de la chimie pour travailler sur une grosse unité en analyse ou améliorer les procédés. Vers Paris. Vers Paris? Tu reviens sur Paris, du coup? Y a pas un mode facile? Ouais, y a un mode bizarre qui était proposé au début du jeu, mais j'ai pas trop compris. Vous nous en avez... Non, mais j'ai pris le mode normal. Merci beaucoup. À mon avis, c'est un nouveau spécimen qui s'est enfui de la Shinra. Depuis quand est-ce qu'il pose problème exactement? Je vois. Les premiers signalements ont commencé à nous parvenir ce matin. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Se pourrait-il que la Shinra ait... Bah si c'est en combat auto, ouais. Et qu'il soit... Je veux bien te croire. En ville du secteur 7. Hein? Je sais pas. Ça me dit rien en tout cas. J'ai seulement essayé de voir ce que tu savais. D'accord. Je te prie de m'excuser. C'est une grande organisation. Pas de soucis, Coco, hésite pas. Ouais, t'as raison. T'as abattu ce maudit chien, c'est tout ce qui compte à mon avis. Ok. Oh putain, si c'est juste gérer la TB, elle se déclenche pas non plus hyper souvent, quoi. Je crois que tu commences à avoir une petite renommée. En ville, les gens doivent parler d'un super mercenaire, non? Je n'ai encore rien fait de vraiment extraordinaire. Tout ça n'est pas à la hauteur de ta talent. Bah, la barre elle va jamais jusqu'au bout. C'est pas de ma faute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dinoglo. Bah vas-y. Je suis sur la quête, les quêtes secondaires, hein, on ira voir la pince à cheveux de tout à l'heure. Ah ouais? Bah je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Gomené. Oh merde, du coup j'ai pas vu celle de Tifa, faut vraiment que je regarde, je l'ai pas vu encore. Son ulti à elle. Gomené! Alors. Hein, tu me cherches? On pourrait pas tirer tous les gens qui partent bosser là.
Excusez-moi. Mais faites quelque chose. Je suis. Allez, énervez Jacqueline. Tu tombes bien. On a un problème là. Un Jinglu du cimetière des trains s'est installé ici. Mais eux, ils refusent catégoriquement d'agir. Qu'est-ce que c'est un Jinglu? Mais dis-moi, tu serais pas le fameux mercenaire? Tu vas pouvoir nous aider alors. Le Jinglu est allé au fond de l'usine abandonnée. Pour pouvoir l'atteindre, il faut d'abord trouver une clé. On a caché cette clé dans une des caisses en bois, mais je ne sais plus laquelle. D'accord. Alors brise-les toutes. Casser des caisses, ça je sais faire. Mais quelle caisse? Attends. Ah! C'est ici. Alors, faut... Oh putain. Ah, faut que je retourne dans le dedans. Ok. J'ai envie d'essayer d'aller récupérer des pièces de ferraille. Il y a une dangereuse... Tu travailles là? Yes. Où je travaille là? Ah, c'est cool si ça te file des pistes. Merci pour lui, Dark, c'est gentil. Il y a pas mal d'endroits ouais, qui cherchent un apprentissage. Je vois beaucoup dans les offres d'emploi. Bon, après, c'est pas un coin qui t'intéressera où je suis, mais... Et Pierre Mako. Allez, sans pitié. Adieu. Ouais, ouais, bah c'est ce qu'il faut, hein, t'as raison. Tu as totalement raison. À toi de t'en occuper. Je sais pas si elle a fini son piqué des hannetons. Ah bah ça y est. Tac, parfait. Donc là, dès que je peux changer leurs armes. Ça c'est vraiment une mécanique que j'aime beaucoup dans les JRPG quand ils font ça. Les compétences que tu peux apprendre comme ça grâce aux armes. Typiquement le truc FF tactique, je trouve ça trop bien. Ouais. Bah tu t'es obligé de farmer, mais je trouve que c'est un farm plutôt intelligent, tu vois. Oh, il a volé. Arrêtez. Arrêtez de me cracher dessus. Tu te débrouilles vraiment bien. Ça t'embouche un coin. Ouais, c'est ça, c'est pour des trucs cool. Exactly. Oh, dégueulasse ce gros plan. Elle parle beaucoup, Jacqueline, quand elle se battait quand même là. Hein. Oh, faut se détendre un peu, hein. Ah, ça y est, clé de l'usine. On va aller faire un petit tour sur le banc. Oh, c'est beau ça, Dark, c'est beau. Alors, on va aller choper le dingling ding, je sais pas quoi là. Je sais même pas ce que c'est comme mob, le ding 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 ding. Ah, ça repop. Un zerebop des envers. Ah,
Enfin, ces petits cris, au secours. Ok. I have a key. Ah, c'est ça? C'est un espèce de petit dragon? Dinglo, ok. C'est pas fini. Oh, je peux pas l'analyser? Si, analyse. Voilà. Fais voir, qu'est-ce que t'es, toi? Alors, ces créatures volantes endémiques du cimetière des trains ont la capacité d'utiliser la magie et les sorts élémentaires de vent font augmenter rapidement la jauge de choc. Et leur chance d'entrer en état de choc. J'ai pas de wind. Ils lancent des fragments de glace et infligent des dégâts, mais utilisent des sorts de magie élémentaire et autres que ceux de glace les dissipent. Très bien. Bon, ça va être pénible cette histoire. Oh là là. Ah, pourquoi on n'a pas Barrette pour faire des combats comme ça? J'aurais dû aller le chercher peut-être avant. Voilà, par le spam carré. Et coucou Wolf, ça va et toi? Ça va très bien. Ah, ça y est, il redescend. Alors attends, peut-être qu'on peut se faire un truc. Compétence. Je suis gelée. Oula, oula. Oh, je vole. Il est où, Jean-Michel? Putain, mais je vais beaucoup trop haut. Oscur. Mais qu'il a des fusées dans les chaussures. Mais... compétence. Oh là là. Enfer du Luc. Je peux rien faire. Il va crever. Il va crever parce que je peux pas bouger. C'est terrible. Don't decide it, Claude. Non, me regarde pas, me regarde... Oh, mais... Je peux le faire. C'est cadeau. Ouais, voilà. Sois prête pour le prochain. Oh, Ninon, Peut-être que si j'étais retournée sur la quête principale, on aurait récupéré Barrette dans l'équipe. Ça aurait peut-être été plus simple pour celui-là. Contente de vous revoir. Alors vous avez éliminé le Dinglo. Tu es vraiment aussi efficace qu'on le dit. Rien à voir avec ces gardes qui font que jouer les durs. J'en viens à me dire que tu devrais les remplacer. Ils font leur métier. Et ils ont des ordres. Oui, mais moralement, c'est plus discutable. Il faut aussi des gens qui savent obéir aux ordres. Bien entendu. Il paraît que tu travaillais pour eux avant, pour la Shinra. Du coup, ça m'étonne pas que tu les défendes. Moi, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'aime ce quartier. Très bien, c'est moi qui vais protéger les gens d'ici. Je vais m'entraîner dur, et je deviendrai encore plus forte que... Allez, vas-y, Gwen. Ok. Eh ben, on a eu un petit bracelet. On peut peut-être mettre ça... à Tifa. Ouais, bon courage, ouais. Ah bah c'est celui que je voulais acheter. Bah vas-y, on va lui donner. Insérer des matérias. Yes. Qu'est-ce qu'on a de dispo? On va lui mettre le remède. Et le fire. Bah parfait.
Elle avait pas eu... Elle avait pas eu une amélioration, elle ? Un gain de niveau ? Si. Si. Attaque physique plus 5. Ça j'ai pris. Et les PM. Bah vas-y, on va lui mettre en attaque physique. Ouais. Il a combien l'autre ? À 4. Prochain niveau. Je suppose que plus t'as des armes, plus t'avances dans le jeu, plus le sphérié des armes, il est conséquent. Parce que là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Hein. C'est anecdotique, le sphérier. On va retourner voir le petit pipou. Normalement. Ouais, voilà, on devrait être pouvoir capable... On devrait être capable de valider sa quêtounette. Que j'ai terminé les rapports de combat de la carrière d'analyse. C'est juste que je suis débile, j'avais pas compris qu'il fallait l'utiliser. Cloud, vous avez été extrêmement rapide dans votre collecte de données. Oh, de la thune. Vous avez mérité une récompense supplémentaire. De la thune. Une nouvelle matéria. Regardez, vous pouvez déjà l'acheter. Ah, yes. Alors, partagez avec Shadley les données des rapports de combat pour que celui-ci crée des matérias inédites que vous pouvez ensuite acquérir. Ces données peuvent être partagées à condition d'accomplir les missions listées dans les rapports de combat. Ok. Vous pouvez demander, réinitialiser, améliorer, apporter... Quoi ? De réinitialiser les améliorations apportées à vos armes. Cela vous coûtera un certain montant de gils à chaque fois, mais vous pouvez effectuer cette opération autant de fois que vous le désirez. Ok. Wesh, mademoiselle. Vos beaux yeux, c'est pour le sacré cœur ou pour mon petit cœur ? Plus petit que 3, plus petit que 3. À quoi, s'il te plaît ? Fais-le. S'il te plaît. Est-ce que tu peux kicker ton collègue ? Merci. J'en peux huf. Merci beaucoup, Yuni, pour ton... Putain, 20e mois consécutif. Mais t'es insupportable. Ah, il me bute. Thomas Cunion, hein, un certain nombre de fois sur les équipiers affaiblis. C'est bien ça aussi. 20 mois de blagues pourries, j'avoue. Incroyable. Et plein d'autres à venir, mais j'espère bien. Ce n'est que le début, voyons. Des rapports de combat lorsque je le... Ah, mais je suis sûr qu'il glousse tout seul, il est content. Hein. Bien sûr. Je vais pouvoir aller m'acheter mon bracelet. On peut dire que tu as fait du bon travail. Tu commences à te faire un nom en tant que mercenaire, par ici. Ah, je te jure. Tu crouleras vite sous les demandes. C'est grâce à toi. Et coucou, Marik. Comment que ça va ? Et pour la récompense, je dois passer au bar ? Oui. Mais tu ne veux pas retourner à l'appart avant ça ? T'as le droit à une pause. La première règle du bidonville. Ça va, je te remercie. Plus importante même. Allez, en route. Hop. Alors, touc. Juste retourner là. C'est grâce à toi, le mercenaire le plus réputé de tout. Acheter. Voilà. Oh, je peux pas. Non. Ah, ils ont assez de thunas. Oh, putain. Je peux pas mettre la petite matéria, du coup. Nul. C'est vrai que t'as éliminé le chien de l'armée. T'as protégé la ville. On te doit une fière. Nul. Tiens, vous êtes de retour plus tôt que je pensais. Vous tombez bien. Faut vraiment que je pense aller l'acheter, ce truc-là. Les appartements. Je les ai déposés à l'intérieur. D'accord. Attends un peu, mercenaire. J'ai une requête pour toi. Oui, ta journée s'est bien passée, Yuni, et toi aussi, Warik. Avez-vous passé une good day ? Je te parle d'être attentionné, pas intéressé. Il y en a tellement qui lui tournent autour. Mais toi, t'es différent des autres, hein ? Au travail,
Ah, cool. GG. On va commencer par changer les filtres. Ok. Dis-moi quand tu auras fini. Je te demanderai bien un bug de quoi. En toute sincérité, ça m'intéresse, Warwick, mais je suis sûre que je vais pas comprendre. Alors, il est où le bidule ? Ah. Un truc, ok. Très bien. Mais bon, si t'as réussi à corriger ça, c'est une bonne chose. This is a good. J'ai passé une journée où j'étais un peu trop en forme selon mes collègues. Oh mince, ça se voit presque pas, tiens. J'ai passé ma journée à leur foutre des chansons pourries dans la tête. Insupportable. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas. Oh, on va chez Tifa. Hello, Tifa. Attends un peu. Je me dépêche, une seconde. Du Camaro, ah non. Non, non, je suis sur PS4, Warwick. Je n'ai pas vendu de rein. Raconte-moi. Pour la PS5. Village, t'as fait quoi ? Hein ? Tu m'avais promis. Tu sais, dans le bâtiment de la milice. Ah. J'ai encore plein de jeux à faire sur PS4. Je verrai avec la sortie d'FF16 pour la PS5. Les soldats étaient considérés comme des héros. Il est sur PS4 et il est sorti sur PS5 avec le DLC de. Mais. De Yuffie. Au moment où je suis devenu soldat, les choses avaient déjà changé. T'as pas fait le papa pingouin. Malheureusement. Ouais, il y a plein de gens qui attendent la version PC. Je devais juste travailler pour la Shinra, c'est tout. Ça devrait plus tarder, je pense. Envie d'en parler. Un travail où on manie l'épée, c'est pas le meilleur des sujets pour des retrouvailles. Ouais ouais, bah c'était l'année d'exclusivité. Je sais pas quand il est sorti le jeu. Quand même, la vie nous joue des tours. Ça fait un moment maintenant, il me semble. Si on m'avait dit qu'on finirait par se retrouver et aussi loin de notre village. Oui, non, non, mais je comprends totalement, Warwick. Hein. J'ai une idée. Si on fêtait nos retrouvailles, on va se... Je comprends totalement. Se faire beau ? Qu'est-ce que tu crois ? Même moi, ça m'arrive, tu sais. Mais, t'as des vêtements ? Quoi ? Tu as des vêtements ? Mais je me débrouillerai. Quel genre m'irait, tu crois ? À poil. Pardon. Un style adulte. Un style exotique. C'est pas mal ça. Exotique. Exotique. Ah oui, c'est ton truc. C'est ton truc. Faudrait que tu mettes un truc à sortie. D'accord. C'est vraiment une chouette idée. J'ai hâte. Ah, ça aura une incidence plus tard. Quand il se travestit Moi aussi. En blondasse. De ce qu'on va porter. Allez. Avec une banane dans une piscine gonflable. Mais tu veux pas trop poser ? Je pense qu'on a plus le temps. Pas un mot à Marle. D'accord ? Ok. Très bien. Ça, je me souviens... Dans l'original, ouais, quand tu vas dans la partie avec l'autre gros dégueulasse, là. Ah, Marle, on a changé les filtres. On retourne au bar, du coup. Je vous remercie. Mais dis donc, t'as l'air de bonne humeur tout à l'heure. Ça fait un an qu'il attend dans sa boîte. Je me sens comme d'habitude. Je vois que tu te débrouilles. Witcher 3. Oh, putain, ouais, The Witcher 3, pareil, faut que je me décide à le faire un jour, celui-là. Continue comme ça, d'accord ? Tiens, je te donne même une avance pour la suite. Je compte sur toi. J'avais acheté un bundle avec la trilogie, mais il y a... Oh, il y a au moins 4 ans.
Vraiment, je crois qu'il y a au moins 4 ans, ouais. Je l'ai pas commencé encore. 161 heures, patate. Just ça. Mais oui, j'en entends que du bien, The Witcher. Un jour, mais... Voilà, on est arrivé. Tu dois être fatigué. Ouais, un petit peu. Mais bon, il faut se délasser après le travail. Que dirais-tu de boire un cocktail spécial dans le Havre ? Je suis pas rapide, je traîne partout. Mais t'as raison, hein. Je crois que moi aussi, je suis fatiguée. Dis-moi, est-ce que tu comptes t'installer à Midgar pour de bon ? Je pense, ouais. Je vais continuer de bosser dans le coin, mettre des guildes de côté. Je vois. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On continue de faire le tour du quartier ? Non, non, on va aller voir Barrett. Elle a un peu le faux cul, ouais, Tifa. Bonjour, vous promeniez ? Ouais, oui. En quelque sorte. Bon, rassemblement au sous-sol. Ah bon, déjà ? Alors, la prochaine opération... Marlène, tu vas attendre Jessie devant l'entrée. Oui. Elle est trop cute, Marlène. Tu sais ce que ça veut dire ? On part en mission de... Faut qu'on aille en discuter. Et ma récompense ? On n'en a pas encore parlé. J'ai pas le temps maintenant. Alors tu vas attendre qu'on ait fini notre réunion. Par contre, il est vénère de ouf, hein, tout le temps. Tifa, on a du boulot. Ce monsieur est toujours très très énervé, hein. Je suis désolée. Tu vas devoir... Non mais vraiment, hein. Pour m'excuser... Prends un tabouret. Qu'est-ce que je vous sers ? Allez, un truc fort. Un truc fort. J'en ai besoin. Ah, tu pourrais peut-être le détendre, ouais. J'avoue. Alors, la plupart de mes clients me font des compliments. Et c'est bien mérité. Oh, son cocktail, c'est de l'escroquerie, hein. Elle a ouvert une bouteille, elle a mis un truc dans un shaker, tout seul. Et elle a secoué. Ça ne sert à rien. Mais très bien. Notre spécialité. Le cocktail Cosmo Canyon. On est d'accord aussi que personne ne vient pour ces cocktails. Magnifique. Il faut que j'y aille. Parce que tu le vaux bien. Oh. Clignant de l'œil. Warwick Kaog. Fais comme chez toi. Merci infiniment, Warwick, t'es un amour. Merci beaucoup pour tes 6 mois. Merci beaucoup, beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. Même s'il nous dénigre, Avalanche serait l'ennemi du peuple pour avoir détruit le réacteur. Sacrée poussée d'adrénaline. Ils n'ont pas révélé nos visages, donc on est en sécurité ici, mais on n'a pas de temps à perdre. Au fait... C'est l'effet mèche folle. Arrête, je me suis coupé la frange et tout, là, ça va ? Ouais, t'inquiète, je vais négocier ça pour toi. C'est presque pas mal aujourd'hui, hein. Tifa doit nous accompagner pour cette mission. Mais j'avoue qu'elle n'a pas l'air d'approuver nos méthodes. Elle n'est pas d'accord pour utiliser des bombes. Elle pourrait hésiter et... On se retrouve souvent en situation de vie ou de mort. Quand c'est comme ça, c'est mieux de se savoir soutenu par quelqu'un d'efficace comme toi. Mais pourquoi on va pas en bas ? Comment je vais pouvoir m'occuper ? Comment ça ? Retirer de l'équipe ? Pardon ? Ich bin kaputt ? Bah c'est la pinette, là. Oh, chez les plus personnes. Bah c'est nul. Je peux passer de l'autre côté ?
Yes. Moi, j'explore un peu, hein, du coup. Pas l'air d'avoir grand-chose, cela dit. Est-ce qu'on peut piquer des gilles dans la caisse? On doit toujours de la thune, hein. La c'est fleur quoi de l'autre jour. Ah oui, c'est la fleur d'Iris. Ok, elle l'a gardée là. Très bien. Et je peux pas les rejoindre. Ok. Je peux pas me barrer non plus? Sérieusement? J'ai pas été ramasser les autres trucs, je m'en fiche un peu. Ok, bah écoutez, on va faire un mini-jeu. Super, appuyez sur X pour lancer la fléchette. Les points de zone atteints sont seuls à soustraire votre capital de départ à chaque tour, ce qu'on appelle un volley. J'ai pas trop envie de jouer aux fléchettes en fait. Non, je l'ai pas fait high-tech tout. Faut que je trouve des amis. Non, non, il y a Natacha qui m'avait proposé de le faire avec lui, mais... là, en vrai, je suis moins souple au niveau des horaires que ce que ça pouvait être depuis quelques temps, quoi. Ouais, tout le monde me le conseille. Apparemment, il est vraiment très très bien en termes de jeu coop. Je le ferai, hein. Mais comment ça? Il est bourré ou quoi? Mais vas-y, je le mets dedans. Mon Guana va pas dedans. Salaud. Ouais, c'est ça. Non, non, mais ça va aller. Comme je disais, j'ai bientôt fini mon contrat, là. C'est juste encore un mois à galérer. Et après... après, ça va être tranquille. C'est à cause du cercle en fait. Je suis nulle. Oh! Boum! Ouais, Way Out par contre était très très cool. J'avais vraiment bien aimé ça. Merdouille. Faut que j'attende que le cercle y soit piti. Allez! Boum! Oh, pourquoi? Il y a des trucs comme ça aux fléchettes? Oh là là, slow motion! Pouh! Incroyable. Je suis beaucoup trop doué aux jeux vidéo. Ah ouais, ok, on va recommencer. Je vais attendre patiemment. Non, 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 tu vas recommencer tout de suite parce qu'on n'est pas dans le classement, c'est hors de question. On a dit qu'on était trop doux aux jeux vidéo. Allez, on va les ridiculiser. Oh putain, si c'est bon, je l'ai. J'ai pas regardé, ouais, pour les trophées, mais c'est possible. Oh là là, bim! On a fait 2 moins 50 là, incroyable. Merde. Oh! Mais crotte de bique. Sérieux? J'en mets pas un seul dedans. En 6 fléchettes, la vache. Ça faut être chaud là. Oh, jeu et ma vie. Ah! Je dis oui.
Ah ouais. Il y en a combien des volets là? Là c'est dedans. Oh, presque. Ok. Casse? C'est quoi casse? J'ai pas fait un truc bien? J'y connais tellement rien. Puis comme d'habitude, j'ai pas lu les flèches. J'ai pas lu les règles. J'ai fait zéro? Pour faire en 6, t'as passé le score? Comment ça j'ai passé? Ça veut dire que j'ai pris la place de quelqu'un, c'est ça? Ah, c'est pas sur le sang. Non, moi j'ai pas compris. On est dedans. Ah, d'accord. Ok. Ah, ok. Ah, c'est pas juste faire plein de points. Très bien. Autant pour moi. Ok. Bon, j'avais dit que je voulais être dans le classement. Je suis dans le classement. Je sais pas de qui j'ai pris la place, mais j'ai piqué la place de quelqu'un. Et coucou les Didi, comment que ça va si bien? Ouais, bah j'ai battu quelqu'un quand même, ok? Je sais qu'on arrivera à rien. Ça va nickel, les Didi, je te remercie. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même. Je me sens perdue. Y a pas de petite victoire, Dark. Si t'es pas sûr de toi, mieux vaut t'abstenir. 5 x 50 plus 51, 7. Oula! Ok. Bah écoute, j'ai battu une fillette de 6 ans. C'est bien déjà, non? Bon bah c'est fini. T'étais partie avant la fin, c'est ça? On s'est disputé. Bon, sinon, tu veux autre chose? Tifa, qu'est-ce que t'attends? On fait ça, alors mets les... Oh là là, mais il est tout le temps vénère, c'est fou! On se passera de toi pour la prochaine opération. Oh mais il est méchant en plus tout le temps. Et coucou Bibi. Rien. Comment que ça va si bien? Merci beaucoup pour ton raid. T'étais sur quoi de bio? Tiens, c'est le reste de ta paye. Et j'ai même ajouté un petit bonus. Donc voilà, t'es libre de tout organiser. Coucou Namaril. Bienvenue à toi. Comment que ça va? Mais il est en train de nous foutre dehors, en fait. C'est terrible. Ça va bien, merci, ça va bien. On a débattu à ton sujet et... DBZ sur GBA, yes. On a pensé qu'on comptait un peu trop sur toi. Forcément un bon jeu, les jeux GBA sont trop bien. On t'attend. J'arrive tout de suite. Pardon, il faut que j'y aille. Eh ben, salut. Ça t'embête pas si on discute après la fête? T'en fais pas, je te dis. Jesse! T'abuses trop là, sérieux! Oh, ah! Bon, peut-être pas alors! Ça va, y a pas le feu! Santé! On est vraiment des sans-amis, quoi. Vas-y, je me casse. Toi, tu es vraiment un gros con, toi. Doucement, Biggs, on va pas te voler ton verre. Salut, hein. L'opération de demain est capitale. Justement, faut un point... C'est qui ces types? Des gens m'ont dit l'avoir vu dans les environs. Si vous attendez, vous le trouverez forcément. Eh ben, qui? C'est pas pour me plaindre, mais notre boss est franchement pas tendre avec nous. Ouais, mais il y a aussi des avantages à travailler pour lui.
Coucou. Dis-moi, t'es du quartier, toi? Plus ou moins. Tu connais pas un grand gaillard qui a une arme à la place du bras droit? Si, il est derrière. Ouais, ouais, il est là, là. Vends-le, c'est un connard, Barrette. T'as senti que tu pourrais te faire un peu d'argent. 500, ça te va? Je dis 200. 300 ou rien. Faut que j'aille me reprendre un peu d'eau. T'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais. Viens par là. 4 cam. Il est là. Ah. Mais c'est là, là. Mais t'en vas pas plus loin, il est là. Hein. T'as un problème, toi? Baisse les yeux. Je m'inquiète pas pour lui. C'est peut-être ses potes. C'est quoi cette démarche, là? Dégage, t'es dans le passage. Oh, désolé. Mais c'est quoi, c'est la team balai dans le cul ou comment ça se passe? Comment ils marchent les jambobis là? Lui c'est un dur. Il vaut mieux éviter de lui chercher des noises. Après, si tu veux mourir jeune, c'est pas moi qui essaierai de t'en empêcher, ça c'est sûr. Vas-y, passe devant. T'inquiète pas. Ah mais... Je m'inquiète pas. I don't inquiéted. Alors, il est où le gars qu'on cherche? Ils vont me présenter le balai, peut-être. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, peut-être. Tu me couches souillé, peut-être, ouais. Coucou Datsun, comment vas-tu? On travaille pour une personne que même la Shinra respecte. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'avoue. Qui t'a cru avec GT? Mais ça va nickel, je te remercie. Point, 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 point. Je peux les analyser ou pas, eux? Ok. Un homme avec des vêtements criards, décoré d'un emblème de dragon. Il semble chercher quelque chose dans le secteur 7. Ils sont sensibles au feu. Balek, frère. Oh oui, dis donc. Il est bien sensible au feu, même. Donc Balével, il va prendre une popo. Eh ben, il a pas eu le temps. Je vois des petites étoiles. Est-ce qu'on peut les faire sur plusieurs? Mais c'est pas le même. Homme louche. Ah bah si, c'est les mêmes. Ok. Tac. Pourquoi tu le cherches? Je fais copier à un ordre. Pourquoi il brille, lui, là-bas? Ne fais pas de mal. C'est bon. Mais attends, mais ils sont en mode autodestruction? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils... Tu vas cramer. Mais vas-y, viens. Ça va chauffer. Ok. Bon. Shinra cherche Barrette. C'est pas mon problème. Exactement. Moi. Je vais suivre la première règle du bidonville et rentrer me reposer. Eh, pour 300 balles, je l'aurais balance, moi, Barrette. Hein. Est-ce que j'ai de la thune? Ah! Je peux aller acheter mon bracelet. Quoi? En vrai, vu comment ils nous traitent comme un gros con, on aurait totalement pu le balance. C'est par là. C'est cool d'être mercenaire. Sauf si... Est-ce que je récupère les trucs sur Tifa, du coup? Parce que, en vrai,
Je l'ai plus là, la Jacqueline. Bon, vas-y, je vais aller l'acheter. Hein. On va pas faire ça comme ça. On la récupérera probablement plus tard. Les armes que j'ai ici te seront bien utiles pour yes. Tu vends pas d'armes, tais-toi, Jean-Michel. Hop. Oui. Tu peux vous aider. Les jaunes arrêtent pas de monter tes... Tac, alors, hop. Claude, bracelet de fer. On va prendre celui-là et insérer Materia. Ça, on peut mettre l'auto-soin. Coucou, Devil. Comment que ça va-t-il bien? Hop. Ça, ça va bientôt. Hop, ça pète encore. Perfect. Et il faut rentrer faire dodo. Je vais juste aller me chercher un peu d'eau. Because j'ai plus rien à boire. Ça va, je te remercie. Ça va très bien. Ah! Elle me stalk jusque chez moi, quoi. Terrible. Salut, chérie. Ah bah yes. Il est tellement dépité. J'aimerais te parler en privé. Tu peux me laisser entrer? Bah apparemment, Dark. Entrons dans le vif du sujet. Oh. Et cette fois-ci, c'est pourquoi? Pour m'excuser de ne pas avoir su convaincre Barrett. Rouge invocation? Et si c'est pas ça? On est d'accord, hein? Ça, c'est Ifrit? Une transaction. Oui, exactement. Mais je te préviens, je te demanderai de ne surtout pas en parler aux autres. C'est une affaire strictement personnelle, et j'aimerais régler ça cette nuit. Cette nuit? Les meilleurs matériaux. J'aimerais que tu viennes avec moi. Que tu m'accompagnes jusqu'au plateau du secteur 7. Ok. Je t'expliquerai tous les détails en chemin. Bah, logiquement, c'est la première que tu récupères, Ifrit. Et demain, t'as une mission qui t'attend. C'est quasiment la première invocation un peu partout, hein. Enfin, ou dans les premières. Si on passe ça maintenant, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors, je peux considérer que tu acceptes ce marché? Pour une matériel d'invocation, ce que tu veux, poulette. Oh. Ah! Disons que c'est un acompte. Allez, Ifrit. Équiper un de vos persos d'une matériel d'invocation permet d'appeler de l'aide une puissante créature appelée Esper. Une jauge d'invocation s'affiche tout d'abord à l'écran. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez appeler... Ah! On peut pas l'appeler direct. Ok. Oh putain. Bonne ou mauvaise nouvelle à quoi? Néanmoins, les invocations d'Esper ne sont pas possibles... Ne sont possibles que lors des combats... Lorsque... Ah bon? Oh la déception. Notez qu'une seule matériel d'invocation peut être... inséré dans chaque arme. Et ce que dans un... Oh mais vas-y, mais quelle tristesse! Vu ce qui nous attend là-haut, je pense pas qu'on sera de retour avant demain matin. Bien préparer avant de partir. Alors est-ce que... Oh non, c'est bon, elle est là. Ok, ils l'ont rajouté. Oh, oh quel beau gosse! Oh, j'ai hâte de voir, tiens. Et Revetlia. La pizza est au four. Je répète, la pizza est au four. Vas-y, juste petit dodo. J'arrive, je vais me chercher un peu d'eau. Hop là. Heureux. Alors. Ouais, je suis au courant. J'ai même la box devant moi. J'attends juste le technicien dans 2 semaines. Ah, mais c'était pour être sûr. Bah, let's go. C'est bon, t'es prêt? Yes.
Bon, on se retrouve à la gare à la nuit tombée. Je compte sur toi. Genre j'ai fait mon petit dodo tranquille, elle est restée devant ma porte d'entrée quoi. Super. En tout cas, ça paye pas trop mal. Donc faut qu'on monte, c'est ça? Si on est sur le plateau. Let's go, c'est parti les amis. Elle est vraiment bien faite la ville, c'est cool. Hop, puis on y va tout seul, comme ça je me perds même pas. Waouh. Pas de chance, il y a plus de train ce soir. Oh, GG les Didi. Ça finit plus tôt que prévu. Bon, je pense que j'essaierai peut-être de le faire le 8, mais pas en mode hardcore, mais... il me tente bien celui-là. Pour une fois. Avec toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Mais par moments, t'étais excité comme une puce. Ok, mais quand même, comment vous saviez que je comptais aller là-haut? Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça? Je me l'achèterai peut-être pour la semaine Halloween. Dans le mille, non? J'ai touché. Je sais que c'est gonflé de notre part, mais comme nous, on n'a pas de parents, on aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens. Et toi, tes parents? Hein? J'en ai plus. Bon, ben allez, pourquoi pas? On partagera nos peines comme une vraie famille. Oh, dites-moi que je conduis pas. Par pitié. Les gars, vous avez vos nouvelles fausses cartes d'identité? Ouais, capitaine. Bon, je pense que si je le fais, je le ferai peut-être en mode normal ou facile. J'ai jamais fait de Resident Evil. Mais je sais pas pourquoi celui-là me hype bien. Enfin, les Jacqueline avec son grand chapeau, là, je sais pas, je la trouve trop cool. Si je veux aller là-haut, c'est pas pour les raisons que Biggs et Wedge s'imaginent. Tu sais... J'ai repensé à l'explosion du réacteur, elle était si forte. À cause des vapeurs de Mako, c'est pas ce que tu disais? Ouais, ou plutôt c'est ce que j'espérais. Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité. J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan. Donc tu vois, il n'y a pas à chercher plus. Le pas celui-là, mais celui avant, j'ai bien flippé aussi, Warwick. J'avais juste regardé un let's play. Tu comptes faire quoi? Je vais remplacer la... Mais je sais pas. Celui-là, il me... C'est la première fois qu'il y en a qui me... Je ne sais pas. Je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Ah ouais, carrément. C'est quasiment impossible. Sauf si tu viens avec moi. Un contrôle, prêt ? Oh non. Oh putain, c'est moi qui conduis. C'est terrible. On est passé. Ouais, mais ça va se corser maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Même avec nos fausses identités, si jamais ils décidaient de lancer un scan à cette heure-ci... Les gardes nous tomberont dessus. Exactement. Sérieux? Mais oui, mais il y a mon épée qui rentre dans sa voiture. Dans sa moto. Ça ira. Dis, tu sais comment... Ah oui, d'accord. Non? Ouais, c'est indispensable quand on est soldat. Ouais. Fait. Très bien. J'espère que tu sauras nous donner le tournis. Calme-toi, Jessie. Ah, mais... Ouais, il vient de la friendzoner instant quoi. Ça te suffit toujours pas? On peut pas accélérer? Oh! Ça va mal finir hein. Parfait, parfait. Ah non, d'accord. Je peux pas accélérer parce que... Wow, Cloud, tu es super bien. OK. Ah ouais, mais genre à distance, d'accord. Mais quelle fangirl. Comment tu l'appelles? C'est pas un jeu. Je fais rien, hein. Parfait, parfait. Ah, j'accélère. Yes. Ah, l'enfoiré.
Voilà. Ok. J'ai trouvé la tuche. Et coucou démon lion. Comment que ça va-t-il bien? Oh putain. J'ai la recto direct. On n'est pas du bon côté. Il attaque pas du bon côté. Mais qu'il est con. Ah, d'accord. Ok. Oh la vache. Au secours. Je rêve. Tu viens de me protéger. C'était pas volontaire. Elle est grave. T'as eu tes binocles? T'inquiète. Vas-y, on accélère. Hop là, oh là! Dépêche-toi! Ça va, tranquille, calmez-vous. Allez! Ok. Intrus repéré! Interception en cours! Ah, j'ai plus mon tourbillon. Il en arrive encore? Ah, mais elles vont vite, elles! Bien sûr que si. Ça va vite, ça va vite. On n'arrive à rien tout seul. Oh là, ok. Ça te suffit toujours pas. Non, non, j'ai changé d'épée. C'est... Putain. Ah ! T'as une... Oh la vache. T'as une récompense de quête. Qui t'en file une. Celle de base, c'est la connue, là. Ouais, attends, mais je te montre dès que j'ai fini. Faut que j'arrête de me tromper de côté, par contre, c'est insupportable. Ike. Ok. Je sais pas si je peux te montrer. Non. Bon appétit Warwick et merci encore infiniment. Des bisous. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est lui? Oh non, on va avoir une espèce de boss en moto. Il se charge de prendre les fugitifs en chasse. Oh non. Oh non! Probablement. Il faut en finir avant qu'il soit là. Je veux pas être embarqué là-dedans. Ouais, ouais, bon, là, c'est la première que t'as, l'épée broyeuse. Mais il y a. Tu peux mettre que deux matérias dessus. Wow, Cloud! T'en es super bien! Mais calme-toi, Jessie. Eh, franchement, alerte chaudière, hein. Oh! Oh merde! Oui bah tranquille. Oh là là, mais je me prends tout. Ça te suffit toujours pas. Ok. On voit que t'es un ancien soldat. Nous, à côté, on passe vraiment. Il va arriver. Bah, le chevelu. Tu fais partie des amateurs aussi, hein. Pour l'instant, il n'y a pas. Non, allons au garage. Mais c'est ce que je demandais tout à l'heure. Je sais pas, en gros, s'il y aura de plus en plus de trucs sur le sphérier des armes. Pour l'instant, j'ai que 4 trucs dessus. Oh putain. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ils ont perdu pas mal de vie hein, en vrai. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Oups. C'est trop tard. On rentre avant de se retrouver au milieu des coups.
qu'ils font. Oh. Avelle chevelu. Elle est trop cool, ça fait quoi? Il a une moto qui va sur les murs. Ah mais c'est pas un gentil, enfin c'est pas un méchant. Ok. Le mec il est sur un cheval hein. Coucou. What? Moi aussi je veux participer. Oh! Pas drôle, hein? Bon, d'accord. On fait une course alors? Une petite. C'est à moi que tu parles? Évidemment que c'est à toi. Pas que ça à faire. Non, j'entends rien! J'entends rien du tout! C'est bien trop long pour que je puisse comprendre ce que tu racontes! Mais c'est qui ce type? Mais je sais pas. Bonne question, mademoiselle! Oula! Je m'appelle Rocher. Et je suis accro à la vitesse. Les gens m'appellent l'âge de la moto. Ok. Mais quelle jolie voix tu as, ma petite. Ah mais je te la donne hein, si tu veux. Je commence enfin à m'amuser. Mais oui, mais on est d'accord que ça existe pas dans le dans l'original. Bon, je me rappelle pas. Hein. Je sais qu'il y a un moment où il y a un truc à moto, mais. On se concentre uniquement sur moi. Ouais, j'ai peur de me faire baiser. Hein. Il t'aime avoir des fourmillements. Oh non. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous entendez ce qu'il dit? La moto n'est qu'un simple véhicule. Vous la traitez comme si c'était une partie de toi-même. T'as compris? Oh merde. Oh attends. Il faudrait qu'il meure par contre. Ah merde. Ça y est, je l'ai eu. Je crois. Jusqu'au bout. Voyons lequel de nous deux tiendra le plus longtemps. Ouais, c'est chiant. Accrochez-vous bien. Et bam. Il est insupportable, hein. Ouais, c'est ça, Wigraf, ouais. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Jesse, prends le guidon. Ah, il a fait débat, Jean-Michel Motard. Bon, ça m'étonne pas. Bah c'est ça, il apporte que dalle. Enfin. Ah là là, je dois m'arrêter là, dommage. Enfin, moins que tu le revois plus tard, tu vois, auquel cas il y aurait un intérêt. Et... La prochaine fois, on se retrouvera que toi et moi. On verra. Ouais, c'est ça, encore un truc de temps de jeu. Et ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Dans ma tête, y'a tout qui tourne. C'est pas encore gagné. Planquons-nous avant l'arrivée des renforts.
Et coucou Shenron, comment que ça va? Ah, t'as une note? Je suis déçue. Ouais, super. T'es déçue par quoi? Ta conduite. Je t'ai pas demandé de m'évaluer. Ça y est, c'est fini. Non mais sérieux, je pensais que tu te débrouillerais mieux que ça. J'ai pas l'habitude d'être à deux. Mais oui, la prochaine fois, t'es derrière. Super. La prochaine fois, je te laisse par terre. D'accord. Alors je resterai derrière toi, si tu y tiens. Oh là là là. Elle est pénible, hein. Ah. Ah, voilà, on est arrivé. On va laisser les motos. Ça a été ta journée, Shenron? Oh, bravo, Nark. On va faire le reste à pied. Se rentre dedans, j'ai lancé ça. C'est ça! C'est à peine maquillé, quoi. Me rentre dans la peau. Ficelé comme un rôti. Mais tu te calmes à quoi? Oh! Oui, je sais. On va bientôt manger. Allez. Oui, bah j'imagine qu'il devait y avoir un peu de monde. Un petit peu. Y a pas un petit coffre? Oh. Oh. T'es dans une grande ville, toi, Shenron? Enfin, je vois par chez moi, je suis pas dans une grande ville et les terrasses, elles ont été prises d'assaut. Enfin, les terrasses. Les petites terrasses. Les pauvres, ils ont pas pu mettre beaucoup de tables dehors. Juste mais... après cette porte, on sera en ville. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En Ile-de-France? Ah oui, donc du coup, effectivement, il va y avoir un petit peu de monde. Bah, fallait juste appuyer sur un bouton, en fait. Waouh. Oh, oh, le désastre. On a tout cassé, oh. C'est un quartier de logement de fonction. Mes parents, en fait, ils travaillent pour la Shinra. À vrai dire... c'est grâce au réacteur Mako que j'ai eu une belle enfance. Je me souviens pas de ça. Il est parti. Oh. Il a du caractère, celui-là. Doivent être payés je sais pas combien de fois plus que moi. Je me souviens pas de cette scène où on retournerait chez les parents de Jessie. Regardez, j'ai beau ne rentrer à la maison que très rarement, ma mère laisse quand même toujours... Ah d'accord, bon bah c'est pour ça. C'est vraiment une habitante typique du plateau. J'espère qu'on aura de la pizza, la spéciale Midgar. C'est bien qu'ils aient rajouté des trucs comme ça, plus de l'or pour les persos. Prépare toujours quelque chose. Moi, je trouve ça sympa, perso. Elle adore les invités qui ont un bon coup de fourchette. Bon, on y va? Cloud, tu sais ce que t'as à faire. Pour le moment, attends près du mur, là-bas. Ouais, okay. Compris. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé que tu goûtes à la spéciale Midgar. Bah non, mais c'est chouette. C'est chouette. Moi, clairement, je l'ai déjà dit, hein, le 7, il y a plein de trucs que j'ai pas compris dans l'histoire. Si tu viens avec moi, un bon mercenaire est toujours prêt à tout, non? Il faut que tu entres en douce chez moi et que tu voles un truc, d'accord? Oh, dit Groucha. J'irai ouvrir la porte de derrière. Oh! Ils sont trop mignons. Au travail.
On va lui voler ses petites culottes. Par où faut rentrer ? Ah, par là. Une fois que tu seras à l'intérieur, fais bien attention. Je fais attention. N'ouvre surtout pas la porte en face de toi. D'accord. Il y en a une autre sur la droite, c'est là que tu dois... Non, mais j'ai très envie d'ouvrir la porte en face de moi, du coup. Mais en fait, je suis une enfant, hein. On me dit de pas faire un truc, j'ai très envie de le faire. On peut pas. On peut pas. C'est pas grave si tu fais un peu de bruit. Oh quoi ? Mon père sera dans la chambre, mais il te verra pas. Oh. J'aimerais que tu prennes son badge d'identification. Il faudra peut-être que tu fouilles un peu. Oh mais c'est terrible ça. J'aurais vraiment pas le cœur à le faire moi-même. Alors, je compte sur toi. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Les lettres. Papa, maman. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas vous avoir écrit pendant si longtemps. Depuis quelque temps, je travaille au Gold Saucer. Oh, j'avais trop bien le Gold Saucer, par contre, quand on va y aller. Je suis devenue comédienne. En mode Over HD et tout, ça va être trop bien. C'est pas dans celui-là, il me semble, mais... À venir me voir jouer dans une pièce dont je suis très fière. N'hésitez pas à vous servir. Princesse Jessie Raspberry. Le premier rôle. Ouais, dans FF14, il est terrible. Oui, oui, non, mais quand je disais c'est pas dans celui-là, je veux dire c'est pas dans cette partie-là du jeu. Ce sera dans les autres parties, c'est plus loin le Gold Saucer. C'est pour ça que je désins ça. Ouais, ouais, dans FF14, il est cool. Jessie. Ah, c'était censé être une actrice. Ça va être quoi? Il va y avoir encore un truc et après ce sera dans celui d'après. Je dirais dans la troisième partie du jeu, le Gold Saucer, non? Faites-vous plaisir. Mon père était chargé de l'entretien d'un réacteur Mako. Dans la prochaine, tu penses? Ah. Je vous l'emprunte. Je sais pas. On verra. Ouais, on verra. La voilà, la meilleure pizza du monde. Mmh. Je vais me faire griller ou pas, du coup? Je peux ressortir Pépouze. Jessie a vraiment de la chance. On peut vraiment pas y aller, hein. Oh. Bon bah salut hein. Goûtez-moi ça. Oh, ça me donne faim. Le jeu complet en 7 volumes. Non par contre je sais pas, est-ce qu'ils ont ils ont communiqué là-dessus sur combien de parties il y aurait dans le jeu ou pas du tout? Ah j'ai faim moi aussi. Non pas du tout. Mission accomplie. Tu n'es pas à l'affiche en ce moment, n'est-ce pas? Tu tiens à rester au Gold Saucer malgré tout? Ah, il pense qu'elle est encore là-bas? Jessie est vraiment indispensable, vous savez. Oui, mais tu es surtout en coulisses, non? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu sais, tu pourrais très bien postuler au théâtre du secteur 8. Ouais, non, non, en vrai, ça me dérange pas. Ce serait pas mal. Ça fait plusieurs jeux, bon, c'est pas grave. En fait, maman, je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille. Ah bon? À vrai dire, on avait même... Par contre, ce qui me fait chier, tu vois, c'est que c'est quasiment sûr
que les autres parties seront pas sur la PS4. Et ça, je trouve ça vraiment nul à chier. Tu n'as plus faim. En fait, je pourrais en avaler deux de plus. Hey, Wedge ! Mais moi, c'est pour vous que je fais ça. Vous savez bien que je suis bon à rien quand j'ai l'estomac dans les talons. Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Désolée. C'est ce que tu voulais. Oh. Passons aux choses sérieuses. Ça m'ennuie beaucoup, par contre. On peut s'infiltrer dans l'entrepôt de l'annexe 7-6 avec ça. Que pour avoir le jeu complet, faudra que t'aies la PS5, quoi. Ou sinon que t'attendes que tout sorte sur PC. Comment ça ? Trouver ce que je suis venu chercher. Et il vaut mieux que j'y aille toute seule. Oh bah non. Et nous alors ? On est venu ici pour la pizza ou quoi ? Tu t'imagines que c'est gratuit ? Vous allez assister Cloud, ça vous fera digérer. C'est simple. Vous ferez comme tout à l'heure quand on a détourné l'attention de ma mère. Sauf Gold PS5, non. Déjà, j'ai oublié une... Une diversion. Ah oui, voilà. Dans le mille, soldat. Hein ? Alors cette fois, on va manger des pizzas avec les gardes de la Shinra ? Ah, on va faire de l'exercice, gros. Ouais, je sais, Wogref, mais c'est sur le principe, c'est chiant. On s'arrange pour attirer l'attention des gardes, c'est ça ? De toute façon, FF16 me fera acheter la PS5. Une fusée éclairante, foncez tous ensemble vers la place devant l'entrepôt. Ça, s'il y a le prochain Dragon Quest, ça probablement sur PS5 aussi. On n'y arriverait jamais sans les Kingdom Hearts aussi. Il te faudrait combien de temps ? Surtout si t'as un code ? Comment ça ? Quand j'aurai fini, je vous le signalerai avec une autre fusée. On se retrouvera dans un coin discret. Une minute. Comment on va faire pour rentrer ? On va attendre le premier train ? Tu rêves ? Ah ouais, mais ça, ce sera pas tout de suite. Hein. J'en suis très très loin. Vous en faites pas. Allez, à tout à l'heure. Mais après, c'est pareil, le truc, c'est que la PS5, faut que j'achète la plus chère, là, parce que sinon, c'est que des trucs, si j'ai bien compris, c'est... Si tu prends la version moins chère, tu peux faire que du numérique dessus, et si tu veux utiliser des disques, il faut que tu prennes la plus chère, c'est ça ? C'était le rêve de Jessie de devenir comédienne. Hey, coucou Natacha ! Comment que ça va ? Jusqu'à enfin obtenir un... Ouais, c'est ça, je trouve ça débile. Les parents étaient fous de joie. Malheureusement. Ah, 500 balles. Son père a fait un malaise au travail. C'est ouf, hein. Surmenage. Mais ouais, bah. Il est au mauvais endroit, juste à côté du réservoir de Mako. Il est resté là presque une journée. Quand on l'a trouvé. Ouais, le démat. Ouais, mais 100 balles, c'est énorme, je trouve, Natacha. Quand tu vois déjà le prix des jeux. La branche principale d'Avalanche. Et voilà où elle en est maintenant. Il laisse pas le choix, ça permet à ceux qui ne font qu'utiliser de... Ouais. Mais bon, quand tu regardes, le démat coûte déjà moins cher que le physique. Enfin, du coup, c'est double peine. Si tu veux continuer à avoir des trucs de collection et pouvoir faire du physique, t'es obligé d'acheter une console plus chère pour avoir des jeux plus chers. Enfin, le démat est souvent plus cher que le physique. Oh, t'as plein de sites sur Internet qui te permettent d'avoir du démat beaucoup moins cher. Après, je sais pas pour Sony, ça j'avoue, je sais pas. Pas sur PlayStation, ok. Dans le flux vital de la planète. C'est pour ça je savais pas. Autant pour moi. Sinon, la vie de son père risque de disparaître. Ça te fait rire. Au contraire, son histoire me parle. Plus qu'un combat pour la planète. Ouais. Ah, je comprends. Ok. Mais ça, je savais pas. Mais bon, j'attendrai peut-être qu'elle baisse un peu. Enfin, c'est sûr, j'attends qu'elle baisse. Il y a toutes sortes de pensées et d'espoirs. C'est pas qu'une source d'énergie qu'on peut dépenser à tort et à travers. Tu vois ? Ok. Hé. Hey, oh, c'est chaud. On va pas dire à Jessie que je t'ai raconté tout ça, hein ? Mais y a aucune raison, plus qu'ils mettent du démat moins cher. Y a pas la boîte, y a pas le CD, y a pas tout ça. Oh non, arrête ! Elle va nous déchiqueter ! C'est pas mon problème. Et coucou Christophe ! Oh, le cinéma ! Chanceux, va. On se retrouve tous ici après l'opération. Essayons de pas nous faire opérer en attendant. Ah, parce que ça vieillit pas, d'accord. Ah, super. Putain, c'est honteux. L'entrepôt devrait être derrière le portail. Attends. Où sont passés les gardes ?
D'accord, ok. C'est pas logique, mais ok. Oh bah t'as bien raison de te faire plaisir. Jessie aurait jamais fait ça, pas vrai? J'espère que ça va pas compliquer les choses. Allons voir ça. Y'a personne ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est la place. Les entrepôts sont au fond. Normalement, Jessie a dû faire le tour par derrière. Pour le moment, on observe. Parlons de notre stratégie. Je peux très bien y aller tout seul. Bon appétit, les Didi. Les boulets, c'est ça? Un peu de respect. J'avoue. Camouflage sur 20. Je veux pas être votre nounou. Si tu veux te préparer, c'est le moment ou jamais. Dis-le-moi quand t'auras fini. S'il te manque un truc, va voir au distributeur. Il y a un centre d'entraînement là-bas, apparemment. Si tu veux t'échauffer, tu sais où aller. On va voir. Peut-être qu'ils vendent d'autres trucs. Je vais prendre ça. Ah, il y en a qu'une. Ok. Je suis tellement stressé que mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Au fait, t'as une matéria d'invocation avec toi, c'est ça? On va se mettre la pagaille en plein chez nos ennemis. Ça peut pas faire de mal de se préparer un peu. Vas-y, on est prêt, hein. Vérifions les postes de chacun. Cloud, tu vas en plein milieu de la place et tu fous un gros bordel. Je sais faire ça. Nous, on fait quoi? Pour nous, soutien tactique. D'abord, on monte dans un endroit où on a une vue d'ensemble. Et de là, on l'aide de notre mieux. Oh là. Vision? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je suis là. Alors, tu voulais parler de quoi? En fait, je compte partir d'ici au printemps. Je vais aller à Midgar. Tous les garçons sont pareils. Ils finissent tous par quitter le village. Mais moi, je ferai pas comme les autres. Je pars pas juste pour chercher du travail. Putain, cette gueule. Un des meilleurs qui soit, pareil que Sephiroth. Donc tu voudrais être un héros? Déjà, devenir soldat, c'est difficile, non? Disons que ça prend du temps, je pourrais pas revenir de sitôt. Si tu te fais connaître, je te verrai peut-être dans le journal. Je préfère Yuffie, moi, tu vois, dans la saga Dark. Dis, promets-moi un truc. Plus tard, quand tu seras devenu très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Hein? C'est ce que font les héros. Ils arrivent quand tout semble perdu. J'aimerais vivre ça, ne serait-ce qu'une seule fois. Allez, promets-le-moi. Je suis encore traumatisée. Ouais, d'accord. Ah, le coup... Quand elle te la fout à l'envers, j'étais deg. Mais je trouve ça trop drôle. Ah, Tifa, ils l'ont quand même un peu exagéré sur le bonnet, je trouve. Mais... On n'arrivera à rien si on change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. Ouais, ouais. J'ai vu... J'avais vu passer des tweets à l'époque où c'était un peu exagéré, effectivement. C'est le signal de Jessie. Allez, Zébardi. On y va. Chargé! YOLO! J'aimerais bien avoir une nouvelle arme. Oh! J'ai Ifrit. On va pouvoir regarder Ifrit.
vois pas le moindre intrus. Sérieux, Natacha ? Trop cool. Alors, la ref, probablement pas la même, mais c'est mignon. Attendez, là-bas. Merde. Intrus repéré. Tirez ! Et bim! Oh, elle fait du rentre-dedans dans celui-là, Dark. Hein. Alors, moins que Jessie, mais elle en fait aussi. Ouais, j'ai fait le jeu d'origine. Je l'ai fait quand? Il y a 2 ans, je crois, le 7, un truc comme ça. Mais j'avais une trad FR un peu douteuse, du coup, il y a des trucs... J'ai pas compris le fond de l'histoire. Je pense que je suis passé à côté de pas mal de trucs. Quoi, Wigaf ? J'avais demandé à Ormac quand je l'ai vu la dernière fois, il m'a fait un résumé de l'histoire. Oui, avec plaisir. Mais ils sont où les méchants ? Voilà. Ouais, non, là, clairement, depuis le début, elle en fait beaucoup plus que ça, Dark. C'est plus subtil que Jessie, mais elle en fait quand même. Merde. Ils ont pas lésiné sur les moyens. Donnez-moi un boss que je puisse invoquer, Ifrit, s'il vous plaît. Tiens bon, à l'instant, je vais m'en occuper. Tu ferais mieux de te rendre. Non. Ça va sacrément barber. Alors, analyser. On sait jamais. Feu. Ah oui, ça marche bien. Oh, j'analyse tout maintenant. Merde. Ah, j'ai pas mal. Oh putain. Merde. Ouais. Il est mort, hein. Et hop là. Oula. Ah d'accord. C'est quoi la suite? Il y en a encore un là-bas? Ah! Dépêche-toi, Biggs! Ah, je me souviens de... On sait jamais. Feu aussi. Okay. Mais toi, mange-toi ça. Oh la vache! Bien de niveau de matériel. Cool. C'est quoi qui a pris du niveau? Au fur et à mesure, les matériels montent en niveau, les sorts de rang élevé deviennent disponibles. Ah yes! Ah d'accord, il y a la petite flèche sur le côté. Oh, ça c'est pas mal, extra soin. Yes. Je vais essayer le Big Fire. Extra feu.
Tiens. Mais il va mourir avec ça. Non, il me la cut, ma vieille nulle. J'aurais pas le temps. Allez, c'est quand tu veux, Biggs. Merci. Oh, ça y est, mon ATB est chargé. Oh, j'aimerais bien avoir encore un truc, s'il vous plaît. Oh, le boss! Oh, des toutous. Oh, quelle offre! Oh, si c'est sur PC, je vais peut-être l'acheter. Cette fois, c'est à moi de jouer! Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Michel Sifflé? Vraiment? Utiliser sur un toutou. C'est peut-être pas le plus worse. La glace. Il court encore. Ah d'accord. Bon bah tant pis. Ah, c'est leur truc, ah oui, ceux de la merde. Ouais, ouais, les trucs où faut que tu revendes un jeu qui coûte 60 balles, oui, l'un dans l'autre. Ah. Arnaque Mania, là. Oui, du coup, c'est pas une offre à 20 euros. Faut que tu leur refiles un jeu. Normalement, c'est des jeux de leur liste qu'il faut que tu files. Et c'est des trucs qui récents qui viennent de sortir, qui vont pouvoir revendre 59,99€ au lieu de 60€. Ah bah dis donc, il voulait pas... Il est où? Il est tout essoufflé. Mais GG, en tout cas, si t'as réussi à avoir une offre, c'est cool. Ouais, je pense que je vais attendre de voir s'il y a des offres Steam avant Halloween. C'est sûr, j'ai maigri. Hé, le Playboy, t'as vraiment un succès monstre. J'y peux rien si j'ai un charme bestial. Oui, où le boss? Je vais invoquer Ifrit. Ah! Oh, des armures Mako. Des armures Mako, n'importe quoi. Des armures Magitech. Non, si c'est pas un boss, tu peux pas invoque. Je suis un peu triste. Ah, voilà. Jauge d'invocation peut apparaître à l'écran si un des personnages est équipé de la matérielle d'invocation. Une fois la jauge remplie, il est possible d'invoquer. Ok, bah faut que j'attende en plus. Putain, c'est pas sur tous les boss, en plus faut que j'attende. C'est terrible. Oh, ça va, ça charge assez vite. On va tirer les nettoyeurs vers les mines. Elles sont où les mines? Là, là. Vas-y, viens. J'ai plus le temps. Attention.
C'est parti. Défoule-toi. Les espères restent sur le champ de bataille jusqu'à ce que la jauge d'invocation se vide complètement. Ils se battent eux-mêmes, mais vous pouvez leur ordonner d'exécuter des commandes spécifiques en utilisant l'ATB des membres de l'équipe. Ah, dommage. Ils effectuent une dernière attaque dévastatrice. Vas-y, moi je veux le voir jouer. Bah, apparemment, ils avaient l'air de dire, c'est pour ça que j'attends de voir son attaque finale. C'est ce que ça disait, ouais. On arrive en fin de barre, est-ce qu'il fait une divine comédie? Ce serait stylé. Ok, il souffle, il charge. Là, il va faire. Divine comédie? Non, flamme de l'enfer. Bah non, j'avais plus de... J'ai utilisé ma barre avant, je savais pas. Je la garderai la prochaine fois avant de l'invoquer. Ah non, c'est la barre de transcendance. Putain, je confonds la barre d'ATB et la barre de transcendance. Je suis débile. Allez, marche sur la mine. Encore un peu. Non, non, bah non, du coup, j'étais en train de regarder ce qu'il faisait. Encore une fois, l'union a fait la force. Bien joué. Encerclez-les. Et c'est pas fini. J'aimerais bien choper une autre arme, par contre. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh non mais... D'accord. Il est là, l'intérêt d'avoir mis ce personnage ? On peut vraiment dire que tu sais mettre de l'ambiance ? Il est de retour ! Le blanc ! C'est terrible. Ah, oh, s'il me file sa bécane, ok. On se l'était promis, pas vrai? Oh non, vraiment? On s'affronterait que toi et moi, hein? C'est quoi, c'est en général de la Shinra? Tu as actionné mon démarreur. Et en ce moment même, mon moteur est... Agité de soubresaut à l'idée d'une nouvelle course-poursuite! Écartez-vous. D'accord. Filons. Nye. Ça fait bien des années que je n'étais pas descendu de moto comme ça. Peu importe. PTDRT qui, quoi. C'est que je ne ralentis jamais. Un demain. Maintenant, nous allons nous affronter demain avec dignité, mon cher ami. On sait jamais. Fire.
Ah, j'avoue, Advent Children, je l'ai jamais fait. Ça pourrait être pas mal, ouais, en remake. Enfin non, pas Advent Children, c'est le film, ça, mais... Merde, celui dont vous parliez tout à l'heure, là. Truc avec... Avec Zach, c'est ça? Crisis Core, c'est ça, pardon. Attends, je suis désolée, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Ah, il a eu ou pas? Pas sûr. Bah, même si ça se déroule avant, ça fait partie du lore FF7. Ce serait pas si déconnant que ça, quoi. C'est genre un DLC. Je sais pas. Je dis ça, mais je ne sais pas. Oh là là. Je me fais rouler. Pourquoi j'arrive pas à... Putain. Mais c'était quoi la touche? J'ai perdu la touche, c'est terrible. Cherche la touche pour la parade. Ah, c'est celle-là, ok. Ben voilà. Et bisous, Rocher. Petit caillou. T'es satisfait? Genre, il va reprendre sa moto, il va se barrer, on va plus jamais le voir, c'est ça l'idée? Trop vite, quand on s'amuse bien. Il peut arrêter de se caresser la bécane, c'est très malaisant, je trouve. Lève-la. Sortez-les toutes. Ah non. L'épée est aussi fort qu'un soldat. Attaquez-le sans relâche. Oula. Oui, bonjour. Mais du coup, c'est qui ce mec, en fait? Nos chemins se croiseront forcément à nouveau. Promets-moi seulement de rester en vie jusque-là. Mon cher ami, au revoir. Non, parce que il défonce des gens de la Shinra, mais il arrive. Il n'y a pas un soldat qui bronche, donc tu te dis que potentiellement il est avec eux. Et après, il est redégomme. Mais qui? C'est Rola Moto, Motorola, yes. Ah non, il a pas dit.
Il a pas dit. Enfin, ou j'ai pas écouté, mais je crois pas. Hein. Pour moi, c'est juste un mec qui est fan de Bécane. Et de Claude, maintenant. Au secours! Ah, merde! Ah, je sais plus. Bah non, on va pas le laisser là. C'est quoi cette situation désespérée, là? Faudrait que je regarde le replay. Baissez votre arme, on est avec vous. Eh bonjour. Qu'est-ce que votre faction fait ici? Et vous alors? Grouille. Le pauvre Wedge, il s'est fait niaquer le cul, il en prend plein depuis tout à l'heure là. Wedge ne craint rien. Il vaut mieux pas qu'il découvre qui tu es par contre. Et ils sortent d'où eux? D'Avalanche. Ça doit être eux qui sont arrivés avant nous. Une bande de conservateurs de la branche principale. Du point de vue de notre propre groupe, c'est une énorme épine dans le pied. Une véritable plaie. Mais je m'égare. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Alors ça? Ils ont eu le culot de nous exclure en nous traitant de factions dangereuses, alors qu'ils ont eux-mêmes un armement impressionnant. Il paraît qu'ils ont formé une alliance avec le Wutai, et qu'ils ont l'intention le de... Le Wutai? Ah, ça c'est pas possible. À quoi ça va les avancer? Mystère. Personne ne volera Free Frit. Tu. Peut-être pas pour tout le monde. J'ai hâte de voir Shiva par contre. Oh, oh. Ça y est, mission terminée. Faut qu'on rejoigne Jesse à l'endroit prévu. Ouais. Y'en a du bazar dans le coin. La Shinra a envoyé des renforts en plus. Oh, j'ai mal au ventre. L'annexe 7-6 est attaquée par un groupe armé anti-Shinra. Pas besoin d'attendre Wedge. Il va s'énerver s'il se rend compte qu'on l'attend ou qu'on le cherche. Je comprends. Cling, cling, cling. Ah, mais j'ai toujours pas fait gaffe. Attends. Mais bon, je lui dirais que tu t'es fait ici pour lui. Oh, je veux dire, n'entends pas. Faut que je fasse gaffe. À cause de l'alerte nocturne, nous avons reçu des plaintes des riverains. La brigade A va rester ici pour trouver les fugitifs. La brigade B va rapidement fermer la circulation et remettre la situation. Bon travail. Venez par ici. Si jamais cette attaque vous est cessée, la fugitive. Mettez-vous tous en position. Avançons. Ce soldat 3ème classe excentrique, d'accord. Ça n'a aucun sens, du coup. Ok, donc c'est bien soldat. On va dire. La flippe. On s'occupe de lui. Hey, Wedge. Ok, pas bien vu, bref, bien vu. Ça n'a beaucoup plus de sens, mais au moins on a la réponse à la question, mais ça ne rend pas ce personnage plus sensé. Pardon. Me prendre une balle perdue dans le derrière. Ah, ah. Hein? Fais voir. Non mais, oh, qu'est-ce que tu fous? Oh. Quoi? Sacré jambon. J'ai jamais eu aussi honte. J'appelle pas ça être touché. La balle est passée tout près. Ton pantalon a un peu cramé. Pas de quoi s'inquiéter. T'as du pot. Une petite brûlure. Creuse les émotions. Eh bah yes. Il faut y aller. Cette Team Rocket, ouais, on en est là. Hein. À tes ordres. Mais ils sont cool, je les aime bien. Ils sont marrants.
Alors. Ah, on va pouvoir rendre ça. Oh, on va choper la matière avant. Attaque anticipée. Oh, turbo ATB. Ça va être bien. Oui, ça doit être sur mesure, je pense, ouais. Ah, tiens, du coup, c'est ça, l'arme classique. Ah, d'accord, donc il y a un nouveau truc qui se met à côté. Ok. Tu vois? Tu l'as là. Et la deuxième, tu l'as pas longtemps après, quoi. On va regarder qu'est-ce que ça met. Donc c'est bien ça, au fur et à mesure de l'aventure, t'as les arbres de talent qui évoluent. Tu me donnes envie de m'y mettre. Mais go! Go, go, go! Bon, ça, je vais pas le prendre parce que je l'utilise quasiment jamais. Comment je fais pour aller à côté? Ah, comme ça, d'accord. Ah, au milieu, ça te dit tous les trucs. Ok. Attaque magique. Augmente l'attaque magique lorsque les PV sont supérieurs à 75%. Attaque physique. Je vais prendre le boost d'attaque physique en prums. Augmente la défense physique lorsque les PV sont supérieurs à 75%. On va prendre aussi l'attaque magique. Ok. Donc ça, c'est pour l'arme principale que j'utilise pas pour le moment. Ah si ? Oh putain, j'avais pas pris la bonne. Ok, autant pour moi. Yes. Ça, je prends. Attaque physique, ok. Donc là, on a fait tout le premier noyau. Ouais, c'est ça. Dégâts infligés. Ouais, c'est son bravoure soldat. Augmente l'attaque magique. Ah oui, moi, attends, on a dit que dans le noyau, on voyait tout. Attaque physique plus 8. Attaque magique, défense... Bah, en fait, c'est bien, ça. Attaque physique. Oui. Oui, c'est moi qui appelle ça sphérié, mais... Et du coup, tu me disais, parce que en vrai, elle est pas si mal, l'arme de base. Tu me disais que plus tard, il y aura possibilité de débloquer dans le sphérié des trucs qui débloquent d'autres espaces de matériel. Parce que ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah non, il est cool, celui du 10. Je kiffe le sphérié d'FF10. De toute façon, je suis très objectif, tout est bien dans FF10. D'accord, ça dépend de l'arme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'autre? Mais va-t'en la petite tête, là! Dégâts... Ok. Ah bah voilà! Emplacement de matéria. Bah voilà, on a l'exemple là. Il est où? Emplacement de matéria. Bah je prends. Voilà, on en parlait. On en parlait, bah il est là. Donc du coup, ça débloque un emplacement de matériel sur cette arme-là. Et ça, c'est vachement, vachement bien. C'est plutôt vachement bien. Est-ce que j'en ai encore une? Bon, on va lui mettre ça à défaut d'eux. Ok. Comment on va faire pour rentrer au bidonville? Que j'ai envie de tenter depuis longtemps. Chacun a un peu sa spécialité, ok. Bah après, Resident Evil est pas hyper long non plus, il me semble, Dark. N'empêche. Enfin, celui-là est pas très long non plus, une trentaine d'heures apparemment. Ouais, et ça nous arrange pas. Ce quartier est fermé pour des raisons de sécurité. Les civils sont priés de rester chez eux. Merci de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque tout à l'heure. Me dites pas que c'est encore une attaque. Sur les matériaux de soutien, oubliez les matériaux en mode auto-machin comme l'auto-soin, leur description induit vraiment. Ah bon?
Ah bah justement, je l'ai mise... Alors je sais pas si je l'ai utilisée ou pas. Attends, est-ce que je l'ai prise? Oui, je l'ai mise sur Claude. L'entrée faisant automatiquement lancer soin un certain nombre de fois. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je refais le 7 histoire de raviver. Ah, parce que le 7 est lié au 8? C'est la suite? Je croyais que c'était des épisodes bien distincts, moi, les Resident Evil. Bah, comme les FF, quoi. Hey, venez par là. Ah bon? Oh merde! Ça prend ton ATB pour le des soins. Ah. Ah merde! J'espère que ton père pourra guérir rapidement. Ah! Parle pas de ça! Quoi? Ah, j'avais pas compris par contre, c'était la suite. Il y a un petit récap au début, d'accord. Parce que ouais, le 7, j'ai absolument pas envie de le faire, il m'a foutu les miquettes de ouf, hein, celui-là. Oui. Dans ce cas, c'est moi qui me mettrai au fourneau la prochaine fois. Ce serait super! Ouais, super! Oui, prends-la. Oh, le raise! Excusez-moi. Ça, c'est oui. Non, mais tant mieux s'il y a un récap. Tant mieux. Parce que vraiment, je me vois pas faire le set du tout. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça doit être par ici. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes? Hein? Oh là, c'est quoi le plan? Alors que t'en étais pas sûr? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter. À que pouette. Enfin, FF7. Pouet, 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 pouet. Et coucou, le frère. Comment ça va? Merci beaucoup pour ton resub. Je suis pour ton 8e mois. J'espère que ça va. Et Kiki, oui, enfin FF7 Remake. Et en vrai, je le trouve pas si pire. J'aime pas le gameplay, mais je le trouve pas si pire. Cloud, ramène Wedge chez lui. Ok. J'ai pas dit qu'il était bon, j'ai dit qu'il était pas si pire. Graphiquement, il est vraiment très très cool. J'ai failli oublier un truc. Cloud ? Oh merde ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Passe me voir chez moi quand on sera rentré. Pour le reste de ta paye. Elle est encore en mode chaudière là ou... C'est le reste en nature, c'est ça? Oh la vache! Ah. Ah non. J'aurais aimé vous aider okay. Un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. J'aime bien Wedge. Là, y a pas à dire, on assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais. Oh, bah bravo Yuni. Bravo. C'est grâce à lui tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout. Mais calmez-vous, enfin, surtout qu'il a mal au cul le pauvre là. Tu. Bah écoute, ça va. Ça va, Tilik. Et toi? Un peu cassé et blasé par le boulot, mais ça va. Là, j'ai 3 jours de week-end. Après, je bosse samedi, dimanche.
Coup j'en profitasse. Putain, ce soir, faut que je farm FF6. J'ai eu un peu chaud aux fesses, c'est tout. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était pas... C'est bon, je vais te raccompagner. C'était pas le feu. T'es gentil. Oh, mais Wedge, il est vraiment trop cute, en vrai. C'est par ici. T'es gentil. Je crois que Jesse et Biggs sont déjà rentrés. Je sais pas. Il est trop chou. Tu veux bien qu'on passe voir chez eux? Eh, c'est sur notre chemin. Ok. Ah, c'est léger, hein. C'est le petit gling-gling-gling, c'est très léger. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas fait gaffe, je crois. C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Et il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Inquiète un peu, quand même. Mais bon, allons voir chez Jesse maintenant. On s'est disputé parce qu'elle veut pas partir de Midgard. J'ai tellement peur qu'il y ait une autre explosion réacteur. Non, non, mais je crois que je vois de quoi tu veux parler, ouais. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle lui a dit de venir. Avec d'autres aspirantes actrices. Ah. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. Nyon. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche? Non, ça va. Jessie est bonne actrice. Ah, encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles? Que tout se rentre dedans, là. Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. Ah, très bien. Puisque je te dis que c'est interdit... Ça va, pardon. Des bisous Dark, amuse-toi bien. Ah ouais, non mais elle abuse totalement, Tilik, c'est une chaudière puissance 1000. C'est un truc de ouf. Du calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire... Et relais Didi. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. Oh. Oh, c'est trop mignon. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur. Oui, il l'a déjà vu, Christophe. C'est gentil, vous verrez, comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. Trop mignon, j'ai des chats partout. Mais non, je me permettrai pas de dire ça de Tilik. Dis donc. Ah, tu le finiras pas en live, du coup? Ah. On peut revenir maintenant qu'il est plus là. Ah, ah. Eh, salut. Te voilà enfin, Cloud. Je me disais... Ah, je comprends. L'a bien mérité, monsieur le mercenaire. Et attends, protection, ok. On n'est pas fini. Oh. D'accord, super. Yes. Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai... Calmez-vous, madame. Les colocs seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends. Allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche, tu viens? Je t'attends demain soir. Ah ouais, je suis désolée. T'es lourde, tu sais. Je vois. Je t'aurais pas comme ça. Il va falloir que je change de tactique. Ah, c'est trop rentre dedans, là, quand même. Enfin... Ouais, voilà, le consentement, hein. Mais pas trop. Elle est rigolote, mais putain, elle est lourde. S'amuser. Je vais aller voir si je peux valider à Jean-Michel, là. Le nombre de créatures éliminées du mois est là. Cloud, merci pour votre coopération. Ok.
Nouvelle matéria. Vent, yes. Ah! Oh! Oh, c'est cher. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oui! Est-ce qu'il y a du nouveau ici? Crois-moi, les armes que j'ai ici te seront bien utiles. Bah ouais, mais il vend pas d'armes, ce con. Moi, je veux bien que tes armes elles sont utiles, mais vend des armes en fait. Allô. Bah lui, c'est censé être le vendeur d'armes. Ah bon? Oh bah j'ai croisé que celui-là, je crois. J'ai vu que lui, hein. Ah bah, je sais pas. J'y suis pas. Ouais. Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Yes. Ah. Ouais, je vois. Ah, oh, vas-y, fais péter les Didi. En ville encore un peu. J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginé à l'époque. Oh, j'aime pas trop Choco Blanc. Si tu veux en parler. Mais je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre. Oui, il est. Oui, oui, il est complètement pato, Tilly, qu'on est d'accord. Ah, parce que s'il comprend pas le rentre-dedans des Jacqueline, enfin. Je suis pas spécialement très fine non plus en matière de relations amoureuses, mais là, enfin. Je suis soulagée. Il est à deux doigts de se faire violer par Jessie quand même, hein. Enfin, oui, non, mais c'est ça. Il est totalement aveugle. On dort un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. C'est terrible. Bonne nuit, Tifa. Après, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à ce truc-là, tu vois? Est-ce qu'il a le neurone... Il a le neurone qui a défoncé à la Mako, donc bon. J'ai pris un whisky avant. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Dépêche-toi! Ah, mais il y en a plein partout! Mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Mais ça non plus, je me rappelle pas de ces trucs-là. Ça existait pas dans l'original. Mais non, mais c'est ça, c'est les détraqueurs d'Harry Potter, c'est ce que je disais la dernière fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand tu veux. Baston. Allons vite au bar. Créature inconnue. Ok. Ça a pas l'air de marcher. Le matéria patronus.
ça fait de l'XP, mais... Faut que je les mette en choc. Ça va chauffer. Ah putain. Fradwick. Ouais, il est pas mal. J'avoue que je pensais que j'allais un peu... voilà. Mais en fait, non. Je suis contente d'y jouer. C'est pas mal. Je suis pas fan du gameplay, mais c'est pas mal. On les touche, mais à part ça... La musique, elle est belle. Hein. Ouais, voilà, par rapport au lore, c'est assez sympa. J'attends de voir Shiva, moi. Frifrid, bon... Je la trouve pas très jolie. Enfin, je le trouve pas... Je le trouve pas très beau, mais... Non. Non, ils ont pas le droit. Blasphème! Ça, je sais que c'est un truc, ça va me trigger dans le 13, hein. Les invocations Macross, là? C'est pas lui que je voulais. Pourquoi ? Tu veux pas attaquer ceux au sol, Jean-Michel ? Chou. Au secours. Il prépare quelque chose. Oula, c'est quoi ça? Je peux pas m'en aller. Il va peut-être passer en état de choc, lui, ce serait bien. Enfin, je pense, vu qu'il perd pas de PV. Ah,
intérêt d'aller le choper celui-là ? Je suis pas sûre. Elle va crever. Allez, il est parti. Voilà, choc, yes. Objet, éther. Hop. Mais ça s'arrête jamais du coup. Au secours. Non, c'est pas eux qu'il faut attaquer. Oh. Compétence, paf. Attends, mais on est où là? C'est par là qu'il faut aller. Ah, c'est pénible! Allez, décède. T'es foutu. C'est pas fini. Attends, on est censé tous se les faire là ou... Ah! Il a chloupé de Jessie. J'ai trébuché. Chelou. Oh, mais il va se calmer, Barrette, là, sérieux. J'ai l'impression que dans le remake, tout leur caractère, il est exacerbé. Jessie, elle est encore plus chaudière que dans le normal. Barrette, il est encore plus vénère que dans le normal. Au secours. Souci, mais bon. Oh. Ça commence à être un peu gênant. Non, bah dis donc. T'es obligé à venir à mon secours. T'en fais pas. Du coup, elle va voir un truc particulier. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? T'as pas trop... Ouais, c'est ça, c'est elle qui dit ça. C'est la charité qui se fout de l'hôpital, là. Hein. Je peux pas. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Big s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Moi, tu serais prêt à partir maintenant? Oui. Bah peut-être, Yoni, peut-être. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Yes. Une belle pagaille. Ça risque d'être sympa. Il y en a qui ont vu parmi vous un petit peu ce que ça donnait le DLC. Il y a des gens qui ont du live, je pense. Je suis en pleine forme, moi. Y a qu'à toi que... J'ai vu qu'elle avait une cape Mog. C'est trop cute. Pour un tour, on va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté et on se retrouve à la gare. Bon, ça, on le fera la prochaine fois. Il est pas encore sorti? Ah, ok. Je pensais. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant.
Ok, ok. Allez, la thune. Monsieur le soldat. Très bien. En juillet ? Ok. Ok. Écoutez, on va sauvegarder, on va s'arrêter là pour ce soir. Ce qui va être 21h. Là, je commence à avoir une dalounette. Une dalounette. Est-ce que ça nous a mis des... Ça n'a pas rajouté de quête secondaire ? Tant pis. Tant pis. Alors, tac. Est-ce qu'on a... Oh, je pense pas qu'on ait des amélis. On a Barrette dans la team, là ? Oh, vas-y, attends, on va pimper... On va pimper Barrette. On va lui mettre ça, c'est mieux que rien. Amélioration d'armes. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh là ! Oh bah, il y a du monde sur le deuxième. Attack physique. Alors attends, déjà on va mettre... on va mettre tout en vrai sur celle-là. PV, oui. Emplacement matéria. Yes. Attaque physique. Yes. Il a un autre emplacement matéria là-bas. Attaque physique, attaque magique, défense, PV, emplacement matéria. Ouais, ça va être cher après, je pense. Ouais, j'aurais pas des trucs à 4. Ok, donc lui, il a sur son arme deux trucs d'emplacement. Et au niveau des matérias, est-ce que j'ai encore des trucs que je peux lui filer ? Qu'est-ce qu'il a dessus ? Foudre, soin. Et bah... On va lui donner le vent. On va lui donner le vent. Très bien. Sauvegarde. Mais du coup, on peut se battre qu'avec deux persos ? Est-ce qu'il est pas dans l'interface, là ? Barrette. Je pensais qu'il serait à côté des deux, là. On verra bien. On verra bien. Ça, ça va être cool. Par contre, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le premier ? Mettre un ennemi en état de choc. Charge un total de 10 barres de jauge ATB en utilisant une compétence spéciale. Ok. Ouais. On le rebat tout de suite. Et ouais, Pépé ! Comment que ça farte ? Nickel. Et bah, nickel aussi. Nickel aussi. Tac, tac, tac. Ok. Pouf. Eh bien, enough is enough. Passons en mode repos. Yes. Du coup, on reprend ça. Je crois que c'est en fin de semaine. Je l'ai mis quand le prochain ? Dimanche ? C'est quand j'ai dit ? Planning. C'est quand j'ai dit ? Dimanche, yes. Dimanche pour la prochaine session. Value.